face à Carla Leit. Là aussi, il y a duel et il y a interception surtout. Attention, attention à ce genre de ballon perdu. Ça peut donner justement de la fougue au public, à cette jeune équipe. Et directement, bonne défense. Et ça court, ça se projette et deux points faciles. Ouais, il sera temps de s'installer hein, pour les supporters là qui arrivent un petit peu tard. C'est parti très vite avec l'interception et la finition de Marie-Paul Popossi. 2-0 pour Tarbes. Michel Bourri. Alexander par-dessus chez Collet. Et dehors, le spécial, j'ai les pieds dehors directement, deux ballons perdus pour commencer. C'est pas rassurant. On sent qu'il y a une vraie pression mise par Tarbes aussi. Ouais, une pression défensive. Ils sont à la maison les locales avec Carla Leit. Messieurs, va falloir se rasseoir. Merci. Je pense qu'ils ne nous entendent pas. Hein. Kessler. Marie-Paul Popossi. Popossi qui est mise sous pression hein, par Sarah Michel. Kessler, la tentative à deux points. Et directement, ça se projette aussi de l'autre côté. Sauf que le repli défensif est très bon de côté de Tarbes. Et la pression, la voici encore avec Dominique Malonga qui vient toucher ce ballon, le dévier. Ah, je pense qu'il y a une faute même sur elle, non ? Il n'y a pas une faute sur Alexander ? Je ne crois pas. Non ? Dans ce cas, c'est une bonne intervention et on se remet sur une petite zone 2-3 juste après la remise en jeu. Michel. À prendre le shoot à 3 points, c'est exactement ce que veut une défense de zone, faire shooter à 3 points et après courir de l'autre côté. Allez, qui ne finit pas. Alors les Tarbés sont pas très ponctuels hein, quand même, à un moment il va falloir s'asseoir. Pauline Acier. Une faute offensive. Pour l'instant elles ont eu très peu d'options de shooter hein. Pour l'instant elles ont perdu 3 ballons déjà en comptant celui-là. Ah ouais, elles ont du mal à démarrer les Berruyères. L'ambiance est forcément présente, c'est et bien on vendu. Voit les erreurs, hein, les petites erreurs au milieu. C'est bien vendu, la part de Leite. Leite, pardon. J'ai entendu le speaker qui disait Leite, j'ai pas compris. Carla Leite, la meilleure jeune de la saison dernière pour celle actuelle, la meilleure jeune de 2024 qui rate cette pénétration dans la raquette, ou plutôt le ballon qui lui échappe. Il va rester 9 secondes sur cette attaque. On va retrouver Dominique Malonga. Malonga, la tentative à deux points. Oui, elle a progressé sur ça aussi, elle peut s'écarter un petit peu plus qu'avant. 4-0. Bon, j'ai prévenu. Alexander repoussé hein, très loin du cercle par Dominique Malonga. Chez Collet, le marché. Elles n'y sont pas. Quel départ justement catastrophique. 2 minutes catastrophiques pour les filles d'Olivier Lafargue. On va revoir ce marché, il y est. Il y est, il n'y a absolument rien à dire, sauf qu'à un moment il va falloir être un peu plus appliqué. Le voyage hier, il y a 8 heures de route entre Bourges et Tarbes. On joue au Monopoly, j'ai vu d'ailleurs. Exactement. Le bon ah, Leite, bien joué, première ça. Attention, elle est tueuse dans ce début de partie. Et pour l'instant, le duo dont on vous parlait, hein, Malonga Leite, répond très présent. Ouais, c'est vraiment son shoot, elle adore ce shoot. Un peu à la Chris Paul pour ceux qui suivent la NBA. Il ouais, y a ça. Spanou, elle doit montrer oui. L'expérience et surtout les rebonds offensifs. Elle a bonne défense. La forteresse est présente et Malonga à la récupération qui fait la traversée de terrain. Et oui, elle peut remonter le ballon. Hein. Elle peut remonter le ballon. Par-dessus, elle est oup. Oh, quel départ. Temps quel mort. Départ fantastique des Tarbes qui fait en plus le jeu parfait. 6-0. 8-0. 8-0. Mais ça n'a pas été noté encore, mais les deux points de Malonga. On est sur un 8-0. Et Olivier Lafargue qui est obligé d'arrêter le jeu. Ça va trop vite pour elle. Oh, le festival, la défense et puis l'attaque. Regardez, c'est Lob City à Tarbes. Franchement, la relation Carla Leite, Dominique Malonga, elle est magnifique cette action. C'est peut-être le duo du futur, Fred, pendant qu'on aperçoit le temps mort demandé par Olivier Lafargue. Je n'aime pas que vous disiez ça, c'est pas le duo du futur, c'est le duo déjà maintenant. Parce que le duo du présent. Du présent, c'est elle. Je parlais peut-être équipe de France, Fred. On sait que Carla Leite est border équipe de France. Dominique Malonga y a goûté. Je vous taquine, c'est parce qu'elles sont très douées et très bonnes et très en termes de match. Et très jeunes. Jeune, bien sûr. On s'en souvient, Carla Leite a remporté le championnat d'Europe en étant la MVP. Hein. Du championnat d'Europe U20 l'été dernier. Dominique Malonga est une candidate aussi hein, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis d'ailleurs, on précise que Carla Leite a été draftée mardi oui. En WNBA, 9e position de la draft du côté de Dallas.
Le jour de son anniversaire d'ailleurs. C'est un beau petit cadeau ça. Alors ça avait plus très bien s'il fallait lui souhaiter son anniversaire ou lui adresser quelques félicitations pour sa draft. Sifflet dans le bon sens pour Rebourg. Ouais, celui-là il fait du bien parce que j'ai cru que Sarah-Michel Bouy avait marché au départ. Un manque de fluidité, hein. Côté de Bourges pour l'instant. Michel Bouy qui demande du soutien. Il arrive tard, les arbitres avaient commencé à compter. Pauline Astier, toujours pas de points pour les verrouillères. Ça s'est bien sorti. Et c'est déposé pour Spanou et ça sort. Ouais, là honnêtement c'est construit. C'est bien construit. On a Spanou à 3 points, à 0 degré, un drive and kick. Paul Pogba aussi, la volonté d'attaquer le cercle. Dominique Malonga, omniprésente dans ce début de partie. Il y a des choses à prouver apparemment, en tous les cas il est en train de les prouver. Ah, il y a un vrai duel et elle est en train peut-être de le remporter contre la Canadienne dans ses premiers instants après 4 minutes. Spanou. Oui, il essaie de servir Alexander à l'intérieur, il n'y arrive pas. Le step back de Shea Coley. Il y avait de l'idée et Spanou, ça y est, enfin. Après 4 minutes de jeu, Bourges débloque enfin son compteur points 10 à 2. Ouais, mais dans le dur, hein. Ça n'a pas été un panier facile, pas construit. Bourget avec Kessler. Kessler bien défendu par Collet qui est resté sur ses appuis. Il faut aussi première intention aussi. C'est un bon shoot, c'est une équipe de jeunes, elle doit prendre ce genre de shoot, c'est bien. Il était en rythme ce shoot. Alors, il était contesté, il était bien défendu par Bourges aussi. Astier sur sa main gauche qui cherche une solution. Bien joué, ça c'est bien joué, l'extra passe. Il va falloir mettre encore. Pardon, il va falloir mettre des paniers quand c'est ouvert aussi, hein, de temps en temps. Parce que c'est la deuxième fois qu'il y a un shoot ouvert, parce qu'il est bien amené en bout de chaîne et que ça ne met pas. La période de doute. Berruyère qui cherche à vraiment se lancer dans leur partie. Et Christelle Mann qui s'en sort bien, elle aura de nouveau le ballon. Vous avez vu qu'Aïla Alexander allait se diriger vers les vestiaires en trottinant. J'espère que c'est pas grave. Ouais. Pour l'instant, la Canadienne a quitté ses partenaires. Jouer. Ouais, 6 secondes, Sarah-Michel Bouy qui déclenche, mais celui-ci n'est pas du tout au rythme pour le coup. Elle n'avait pas d'autre chose à faire. Il n'y avait, pas de temps, personne bougeait. Et tout de suite, 30 shoots, qui était un mauvais shoot. Pogba aussi, alors que Malonga réclame le ballon. Elle est déjà à 6 points et elle sera à 8. Quel départ phénoménal. C'est peut-être les 5 meilleures premières minutes de sa jeune carrière. En tout cas, elle nous a tout fait, hein. Techniquement, dans l'intensité. Pas de réussite du tout les Berruyères. Dominique Malonga, 8 points, 3 rebonds déjà, elle a rien raté. C'est la joueuse en forme là et Anna Maria Philippe est prête hein, à la tenir, à la cadenasser, sauf qu'il y a Marie-Paul Popossi aussi dans un fauteuil. Que se passe-t-il du côté du Quai de la Dour? Elles sont transcendées le TGB là. En fait elles ne tiennent pas les pick and roll. Donc forcément à un moment, soit si t'aides, y a un panier facile de ta joueuse, soit si t'aides pas, c'est l'autre joueuse qui marque, c'est exactement ce qui s'est passé. On est resté sur Malonga, donc il y a eu un panier facile. Alors là, le scénario, Fred, on ne l'avait pas vu venir. Celui-ci, bien sûr, qu'on s'attendait à voir le TGB à se battre avec ses armes. Mais de là, avoir un 14-2 après quasiment 6 minutes de jeu. Après, l'avantage, c'est que cette équipe, c'est Bourges en face. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles savent, quand c'est dur, hausser le ton, il reste beaucoup de temps hein, dans le match. En tout cas, c'est magnifique, c'est pour les joueuses de Tarbes. Avec Paul Pop aussi, avec Kessler. Passe ça aussi, qu'est-ce que ça joue bien? Aussi, ça joue bien au basket! Les passes sont dans le timing, les joueuses bougent au bon moment et en plus elles sont très à droite. Là, clairement, 16 à 2, elles sont sur les bases de leur meilleur premier quart-temps de peut-être la saison. Hein. Et au meilleur des moments, on est en play-off. Philippe, la déviation et pas de coup de sifflet, rien disent les arbitres. Nouveau rebond crédité pour Malonga qui va faire la course et qui va finir. Ça roule sur le cercle. Ouais, mais le rebond, encore une fois, elles ont l'intensité, elles ont la dureté. Et elles ont la réussite un petit peu aussi parce que récupérer ce rebond, c'était pas facile. Vers la late, la pénétration et les lancers. Les lancers, la faute. Alors, je pense qu'il y a une petite faute sur Sarah-Michel Bouy tout à l'heure sur la pénétration, sur la passe d'Anna Maria Philippe. En tous les cas, car la late
et Dominique Malanga, c'est du très très sérieux ce soir. Alors toute la saison, vous allez me dire, mais là, elles explosent au visage de tout le monde. Ouais, Carla Lake qui dans la dépêche avait dit cette phrase, on veut finir l'aventure au TGB de la meilleure des manières. Elle parlait d'elle et de Marie-Paul Fopossi hein, qui ne seront plus dans cette équipe la saison prochaine, direction Villeneuve d'Ascq pour sa deuxième saison. Il y a pire comme destination hein, que Villeneuve d'Ascq. Ah, il faut dire qu'elle a vraiment brillé cette année, l'année de l'explosion pour cette joueuse, quasiment 16 points de moyenne. Et elle va sortir, applaudie par toute la salle. 18-2, il est temps de réagir pour les troupes d'Alix Duchet. Il faut se mettre en place plus rapidement, plus intense. Steinberger, il faut mettre ce genre de shoot complètement ouvert. Très court ce shoot d'Alix Duchet, mais le rebond est à l'initiative d'Anna Maria Philippe. C'est un bon move, par contre c'était pas revenu sur l'horloge des 24 secondes. Bon rebond. Celui-là il fait un petit peu de bien plus. Il a marqué. Ouais. On va rouler pas le plus facile hein, des shoots de Bourges depuis le début de ce match. Marie-Paul Pop aussi qui gagne ses duels. Et qui provoque une faute. Je crois que vous avez bien résumé le problème. C'est que du côté de Bourges, on ne tient pas ses duels. Et à partir du moment où tu ne tiens pas ses duels et qu'il y a autant de qualité dans l'équipe adverse, et ben t'es mené 18-4. À combien de stops elles ont fait les tangos là pour l'instant Fred? Honnêtement, je ne me rappelle pas. Un ou deux au début de match, ce qui a équilibré un peu le jeu, mais ça n'a pas duré très longtemps. La voici Marie-Paul Fopossi. On a mentionné Carla Leite. On a mentionné Dominique Malanga. Il faut parler de cette joueuse également. Une très très belle deuxième saison dans la continuité hein, ce qu'elle avait produit l'année dernière. Mais elle est devenue internationale ici à Tarbes. Une faute anti-sportive. Comme c'était le deuxième lancé franc. Oui, c'est une faute anti-sportive qui a été sifflée sur cette action. À 4 et le ballon reste pour le TGB avec cette circulation et l'ancienne de Bourges qui veut se montrer elle aussi. Jasmine Zodia, c'est raté. Ouais, plus compliqué ce shoot là, un peu moins construit. Estelman, du rythme pour les tangos, voilà, elles en ont besoin. Défense. Steinberger qui est y aller un pourtant fort. Elles sont muselées et voilà un panier qu'elle est allée chercher au mental, Sarah Michel Bourri. Mais on parle du mental, on parle de Sarah Michel Bourri, hein, forcément, et elle doit montrer la voie à son équipe, hein, qui la trouve pas du tout pour l'instant. Ouais, on a presque envie de dire, les trois paniers mis par Bourges ont été les plus difficiles, ah presque. Oui. Et là, le chemin s'est ouvert, elles sont en retard. Il y a presque un émoi à siffler sur ça. Elle doit marquer plus la faute. Plus 14, si vous nous rejoignez sur Sport en France en direct. C'est le début des quarts de finale, le début des play-offs lancés. Vous ne raterez rien cette année. C'est la particularité, on vous couvrira tous les matchs commentés en clair gratuitement sur Sport en France. Demain, on enchaîne avec le même type de soirée. On se voit demain. Il paraît. Pour un joli Angers Villeneuve d'Ascq. Kessler. Il y a un bon petit coach à Angers, je crois qu'il y a un bon petit coach à Villeneuve d'Ascq. Oui, joli duel encore. Pop aussi, le rythme qui descend un petit peu, mais le shoot était de qualité. Ouais, in and out, il n'y a rien à dire. En plus, la pression rebond est bonne, ça leur permet d'avoir encore le ballon. Et 14 secondes d'attaque. Ouais, tout leur réussit, on a presque envie de dire. Même sur des situations où le rebond paraît simple pour Bourges, les Tarbaises en profitent pour récupérer 14 secondes sur l'attaque et retrouver Carla Leite en phase offensive. Putain, on va pas se mentir. La chance, ça se provoque. Hein. Pour l'instant, elle la provoque. La chance, elles sont actives, elles sont dures, elles sont sérieuses et appliquées. C'est normal que tout leur réussisse pour l'instant. Et François Gomez qui a appelé son duo désormais. Oh, quel départ de Dominique Malanga, la meilleure jeune de la saison. Déjà 10 points. Ça va être sympa sur le match là. C'est une bonne défense aussi hein, parce qu'elle reste entre les deux. Rien ne va du côté de Bourges, des ballons perdus, des shoots faciles ratés. Fred, Dominique Malanga en 7 minutes, ça fait 10 points et 5 rebonds. Je trouve que c'est rentable. Jasmine Zodia, alors que l'interception arrive, pression, voilà, elle voilà. S'est énervée devant ses anciens. Oh non! J'allais dire, voisin, c'est pas possible ce que vient de faire
Pauline Astier là-dessus. Pauline Astier fait l'effort, elle se bat, elle a un lay-up quasiment seule. Elle y allait au combat pourtant, elle avait fait le plus dur. Et en plus la règle des possessions alternées, oui, le pavon revient tard. Vraiment toutes les décisions sont dans le sens contraire des Berruyères. On voit le public, hein, des tangos qui continuent de taper sur les batteries, de donner de la voix. Mais pour l'instant c'est dur, c'est la douche froide dans les 10 premières minutes. Heureusement un match est en 40. Heureusement ou malheureusement pour les tarbés, hein, bien sûr. Parce que c'est vrai que vu ce début de match, la passe est compliquée. Jasmine Zoder, on va arriver au bout du chrono pour les Tarbèzes avec Fora. Fora qui se rapproche. Et encore un rebond, le sixième. Que se passe-t-il? Dominique Malonga transcendé. Et c'est touché. C'est touché par je ne sais pas qui, mais en tous les cas, le ballon sera rendu à Tarbes. C'est impressionnant. Elle les attire tous ces ballons. Il faut vraiment trouver une solution. C'est peut-être Kayla Alexander, hein, qui va l'avoir. Elle est de retour sur le terrain et ça, c'est une bonne nouvelle pour les tangos, Fred. Je sais pas, parce que pour l'instant, elle s'est fait dominer un petit peu, hein, par Malonga. Il va falloir qu'elle soit plus dure, plus active. Peut-être plus tenter de la servir. Je trouve fatiguée, Malonga. Et pourtant, la meilleure rebondeuse entre les deux cette saison, c'est bien Kayla Alexander. Hein. Quasiment 8 rebonds par match. Et puis, meilleur au rebond offensif, Kayla Alexander cette saison. C'est pour ça, c'est là qu'elle peut mettre beaucoup de pression et fatiguer Dominique Malonga. De 3 rebonds offensifs par match, elle doit avoir son importance. C'était le duel du match, la Canadienne contre la Française. En attendant le retour au jeu, 42 secondes encore, Tarp va continuer pour essayer de mettre la pression au score. On voit Olivier Lafargue et ses adjoints en pleine réflexion tactique, alors que Dominique Malonga retrouve le ballon. Carla Leit, le coup de sifflet à retardement. Ouais, sauf que le coup de sifflet arrive, une faute de plus provoquée. Et déjà la sortie pour Dominique, pour Kayla Alexander. C'est elle qui prend la faute, je crois. Ouais. C'est elle, elle va être obligée de sortir. Et là, elle provoque. Malonga, la faute de Christelle Mann. C'est une faute complètement débile. Ça va donner 2 lancers francs, je pense. Et oui, Fred. Aussi loin pour donner 2 lancers francs, je vois pas trop l'intérêt. Quel cauchemar non, pour les Berruyères. Le choix est mauvais, là, c'est tout, mais ça arrive à tout le monde. On peut être un peu de travers, mais là, elles sont vraiment de travers. Le premier lancer est raté. C'était son premier voyage, hein, sur la ligne des lancers. Faut aussi et là, ils t'ont fait 2 sur 2. 11 points pour Dominique Malonga en 8 minutes de jeu. Bah plus que Bourges déjà. Le double quasiment. Oui. Malonga a mis plus de points que Bourges pour l'instant. Et la ballon perdu et une nouvelle perd fois. La balle. Et Pauline Astier, regardez, elle communique. Du calme. Elle essaye de parler à ses coéquipiers. Le ballon n'est pas perdu. Hein. Il a été touché. Il a été touché par une joueuse de Tarbes, j'ai pas vu qui. En tout cas, l'arbitre est revenu sur sa décision. Oui, bien vu, effectivement. C'était pas une discussion pour calmer le jeu, mais plus pour indiquer à l'arbitre. Mais à culpa que ce ballon était pour les tangos. Attaque importante, très importante. Il y a 16 secondes pour bien la négocier. Ça va commencer avec Alix Duché. Il va falloir se dépêcher un petit peu aussi parce qu'elles vont vouloir provoquer sur un shoot à 3 points. La zone, hein, de 3. Encore une défense qui oblige à une passe difficile. Un tir compliqué. Celui-ci est magnifique. Bon shoot. Le close-out était bon, mais par contre, l'action d'Astier est parfaite aussi. Et le geste très difficile à réaliser, oui, hein, pour Duché qui le met 7 secondes. Il y aura un dernier ballon, évidemment, pour Carla Leit. Et le pick and roll, bien sûr, avec Malonga. Carla Leit à 3 points. Dedans, magistral, premier carton pour les Tarbes qui pourront s'en souvenir et l'appliquer comme exemple. C'est un carton parfait. Pour finir, ça fait 23-8. Ça fait 23-8, je crois, oui, c'est ça. Dans tous les cas. Non, 26-8, je pense, Fred. Oui, c'est 26-8. C'est une démonstration de basket pour l'instant du côté de Tarbes. Ouais, et je pense que même le public n'arrive pas à se rendre compte de la situation. Hein. Mais je pense qu'ils sont KO eux aussi, hein. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Hein. Oui, défier une équipe qui n'a plus été vaincu par les Tarbes depuis 2018, Fred. Depuis 6 ans, Tarbes n'a plus gagné contre Bourges. La dernière fois que Tarbes a gagné contre Bourges, c'est ça, c'était pendant les finales de 2018 LFB. Vous aviez 15 ans. Oui. Donc à c'est peine. À peine. Allez, on revoit les highlights. Pour ceux qui arrivent là en ce moment sur Sport en France, pour expliquer ce qui
Pierre Thomas, c'est ça. Il n'y a pas de problème sur le score. Le score, c'est bien ça. 26 à 8 pour Tarbes contre Bourges à la maison, avec deux joueuses fantastiques. Alors, tout un collectif hein, fantastique côté Tarbes, mais deux joueuses incroyables, Carla Ley et Dominique Malonga, qui ouais. sont hors normes sur ce qu'elles ont proposé sur ce premier quart-temps. Et il faut saluer aussi Marie-Paul Faux aussi, hein, 8 non, points. Mais bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que je dis, c'est un collectif, ouais. mais c'est vrai que les deux joueurs qu'on a le plus vu, entre guillemets, c'est les deux que j'ai cités, mais aussi a été fantastique. C'est assez simple, Fred, il n'y a que 3 joueuses qui ont marqué pour Tarbes dans ce premier quart-temps. Les 26 points ont été marqués par 3 joueuses différentes. Malonga, 11 points, 8 points pour Faux aussi et 7 pour Carla Leit. En face, on attend des solutions, on attend les scoreuses. Il n'y a que Spanou, Michel, Philippe et Duchet qui ont trouvé le chemin du cercle avec des pourcentages très compliqués. 23% au tir pour Bourges en 10 minutes. Elles peuvent faire beaucoup mieux. Lucas, on ne va pas se mentir, elles défendent super bien. Elles mettent de la pression, elles sont agressives et ça ralentit le jeu de Bourges qui ne trouve pas son rythme. Et il va falloir trouver son rythme pourtant pour pouvoir s'imposer là parce qu'elles ne sont pas très bien parties. On le rappelle, hein, le score compte énormément dans ces phases de play-off, en tout cas sur les quarts et les demi-finales, puisque ce sont des matchs aller-retour. On fera le total des deux matchs. Donc Tarbes, pour l'instant, a pris un vrai avantage, mais le match est loin d'être terminé. La réaction, elle peut être tout de suite avec Pauline Assier qui cherche une solution. Elle s'appelle Duchet. C'est bien trouvé, encore une fois, c'est des shoots qui sont ouverts. Il y a du bon travail, il y a du, comme disent les Américains, drive and kick, c'est-à-dire que je pénètre et je ressors des bons ballons. Et on ne met pas du côté de Bourges pour l'instant. Ouais, le pourcentage, les pourcentages continuent de baisser, mais pour une fois, le ballon est du bon côté. Oui, parce qu'il y a un peu plus d'agressivité pour récupérer ses rebonds offensifs. Assier qui réclame un système. Ça ne sert à rien à Maria Philippe, elle était parfaitement à l'endroit où il faut être. C'était une situation similaire à celle de juste avant l'interception et ça aurait pu bon profiter. Retour. Quel retour. Bon retour de chez Collet. Ah, elle a joué les mobilettes là pour revenir. Ah, il s'est collé. Hein. Je m'y attendais. C'était la première, Fred. Il ouais. fallait inaugurer cette première soirée. C'est Malonga, elle prend tous les tirs. Ouais, mais c'est son shoot. Elle en a mis deux ou trois déjà de cette position. Elle a raison de le prendre. Duchet. On a vu la volonté de toucher, justement, de mettre du rythme, d'arriver plus rapidement en attaque pour avoir le temps de développer le jeu. La solution passe par les mains de Pauline Assier, le caviar et la finition avec le plexi. Philippe. On est d'accord que Anna Maria Philippe, elle l'apporte beaucoup depuis qu'elle est rentrée. Bien sûr, elle est en train de revenir à un très bon niveau. Anna Maria Philippe, absente pendant 5 mois, pendant une longue partie de la saison. Elle est passée là, elle provoque la faute. Elle a tout en stock hein, quand même, elle a tout en magasin. Dominique Malonga. Honnêtement, je l'ai rarement vu avec autant d'intensité, Fred. Elle a déjà pété son record personnel en play-off, Dominique Malonga. Ouais, mais en même temps, son record en carrière en play-off, c'était 8 points. Oui, mais au contexte. Oui, mais faut le dire. En 10 minutes, elle a fait mieux que sur 2 ans de play-off, entre guillemets, avec l'Asvel, évidemment. Elle avait fait, pour ne citer que la saison dernière, où elle est championne de France 2023 avec l'Asvel, Dominique Malonga, elle n'avait fait que 2 entrées en quart de finale avec l'Asvel. Elle n'avait pas joué les demi-finales, souvenez-vous, et cette finale contre Villeneuve. Je me rappelle, vous l'aviez interviewé, je crois, aussi. Oui. Vous avez des questions très intéressantes. Quel numéro ? Oui, et puis elle avait partagé aussi, hein, pendant qu'on voit quand même se lancer réussi, malgré ce spectateur qui a décidé de gâcher un petit peu le cadre. 27-10. Ah, les tribunes sont pas immenses hein, à la table. Hein. Forcément, les caméramans et women sont un peu gênés. Steinberg, le compte, non, c'est une faute. Oui, il y a faute, mais. Et un faute sur la première action. Et un compte énorme sur la deuxième. Sur la deuxième, vous donnez pas faute. Non, sur la deuxième, non, mais comme il y a faute. En fait, elle fait faute. Sur là. La prise de contact. Elle fait faute là, ouais. Là. Ah, et oui. Là, et sur la deuxième, non. Le compte est clair, mais la faute est avant. En fait, il y a faute en bas, et en haut, c'est juste impeccable. De lancer provoqué par Steinberg, mais oui. Le contre aurait pu être validé. Allez, la Lettonne sur la ligne pour la première fois de cette partie. Et le premier est raté. Annette Steinberga. Deuxième saison au club. Elle fait 0 sur 2. Elle s'en sort bien avec l'aide du cercle. 27-11 à l'avantage du TGB. À domicile dans ce premier match et la perte la de balle. Pression là aussi, c'est elle bien. Est agressive. Faute time agressive et ouais. Faute provoquée, faute anti-sportive.
provoqué par Pauline Astier. Le combat est de retour et elle s'est excusée, hein, Nancy Fora, là-dessus, parce qu'elle ne fait pas la meilleure des fautes. Hein. Elle fait deux grosses fautes. Perdre cette balle parce qu'elle est trop soft, et ensuite après faire une faute antisportive, ça pique un petit peu. Vous avez vu, hein, Steinberger qui se retourne pour dire, mais elle n'avait pas eu le temps, les arbitres avaient déjà sifflé. Ouais, la faute antisportive. Deux lancers à suivre pour Pauline Astier et le ballon derrière pour les tangos. Il va falloir mettre des points de temps en temps sur la ligne, les lay-ups, tout ça, les shoots ouverts. Ouais, ça fait beaucoup de détails dans cette première mi-temps pour l'instant. Et 0 sur 2. Lucas, 0 sur 2. L'effort est fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Pauline Assis sur cette action? Elle fait l'effort. Elle provoque l'antisportive. Parce que malheureusement, elle ne peut pas les lancer. Il y a des soirs comme ça pour l'instant où rien ne sourit à une équipe, où les vents sont contraires. Et elle veut y retourner, elle veut se rattraper. Oh, Pauline Astier, peut-être un caviar pour Sheik Olay. Ça sera mieux que 2 points, ça sera 3 points. Ouais, mais ça aurait pu être les 2, hein, Lucas. Ça aurait pu être 5, effectivement. Mais la passe, elle est magnifique de Pauline Astier. Nate qui contourne Spanou, qui trouve une bonne situation. Kessler sans se poser de questions. Et là, encore une fois, à deux doigts de revoler ce ballon sur le rebond offensif. Alors que bon, je restais sur un 0 sur 6 à 3 points. Ça fait du bien au mental de débloquer aussi, hein, cet aspect du jeu, Fred, parce que une bonne défense bien resserrée, alors quand les tirs à 3 points sont plus compliqués, ça devient un enfer. Bah, c'est qu'il ne mettait rien, c'était ouvert. Alors là, vraiment, elle ne pouvait pas rater. Hein. C'était un shoot d'entraînement, le ballon qui arrive de l'intérieur, elle est complètement seule, chez Collet. C'est pas nous. Avec Astier qui continue de faire jouer son équipe, chez Collet qui veut enchaîner. Des actions positives, elle aura le luxe d'aller sur la ligne elle aussi. Ouais, elle est plus agressive. Chez Collet, elles sont plus agressives. Elles sont plus incisives, elles attaquent plus le panier. Elles subissent plus la défense de Tarbes. Elles en profitent justement pour provoquer des fautes, pour créer des décalages. Ouais, il va y avoir un autre enjeu, hein. C'est le score. Pour Bourges, c'est vraiment remonter au maximum jusqu'à la mi-temps. Parce qu'on peut perdre un match, allez, hein, il faut l'expliquer, Fred. Mais pas 15. Exactement. Le score va avoir son importance, on le répète depuis le début de la soirée. Et l'interception, elles sont beaucoup mieux dans les phases défensives. Et ça, c'est des paniers gratuits. Ça va pas plaire du tout à François Gomez, le coach. Alors qu'Elodie Godin, hein, vient chercher ses troupes. Obligé, François Gomez, de prendre un temps mort sur ça. La passe est trop soft, elles sont plus dans la même dynamique qu'elles ont été sur le premier carton, c'est-à-dire agressives, aller chercher le ballon. Là, elles subissent la défense de Bourges. Comme on l'avait dit, hein. Bon, c'est une équipe de vieilles canailles qui laisse bien le basket, qui ont de l'expérience, qui jouent bien ensemble, qui sont de superbes joueuses. Je te relâche un petit peu, ça revient. Et ça revient à 11 points. Plutôt intéressant pour Bourges qui va beaucoup mieux après un premier carton à oublier. Hein. 8 points seulement marqués, 26 encaissés. Et pour l'instant, dans ce deuxième carton, c'est un 10-1 infligé aux Tarbaises. Petite révolution. Il faut être rassuré. Je pense que le match va s'équilibrer assez rapidement. On a vu les meilleures intentions du côté de Bourges. Du côté de Tarbes, maintenant, on va se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Et je pense qu'on va essayer d'être plus appliqué, plus sérieux sur les passes. En tout cas, ça pose le scénario et ça, c'est plutôt plaisant pour les téléspectateurs, pas forcément pour les Berruyers ou les Tarbais, mais pour les spectateurs qui regardent du basket. On voit l'outsider, le 7e du championnat, jouer les yeux dans les yeux avec le 2e. Et mettre une vraie pression. Et leur mettre une vraie pression, et ça, c'est important. Late, balle en main. On cherche Kester. Elle va lui remettre 8 secondes. Elle aime quand sa côte devient de plus en plus difficile. Carla Leite pour servir peut-être à l'intérieur, non? Beaucoup trop compliqué. La défense de Bourges est complètement en place maintenant. Ouais, c'est Carla Leite qui arrête le jeu, c'est bien joué. On voit Olivier Lafargue demander une faute antisportive. Il n'en sera rien, je pense. En tout cas, les arbitres vont peut-être aller voir. On va la revoir. Celle-ci, je ne suis pas honnêtement sûr. Ça se discute. Ça discute, hein, franchement, parce qu'elle ne défend pas du tout. Voilà,
elles sont déjà dans la pénalité. Exactement. Mais voilà la différence d'agressivité, hein, tout simplement. Voilà pourquoi Pau, je reviens. Au lieu de subir, elles attaquent. Ouais. Tard qui déjoue, qui perd des ballons et qui fait des fautes. Déjà dans la pénalité, et les Tarbaises, on n'a pas encore passé les 3 minutes dans ce deuxième carton. Contre Asti, il va falloir qu'on mette un lancer franc. Hein. Ouais. Il en a mis 1 sur 4 là, sur les dernières actions. En difficulté sur les lancers. Pour l'instant, c'est compliqué pour effectivement cette équipe de Bourges. Il shootait à peine 50% il y a encore quelques instants. Et tu vas voir ce pourcentage encore baisser. Kessler avec une pression de Bourges plus importante sur les porteuses de balles. Camille Droguet qui efface une joueuse pour libérer ça. Carla Leit. Eh ouais, mais les shoots sont plus difficiles maintenant. On est un peu plus fatigué, plus repoussé par Bourges. Kessler, le ballon qui circule avec la vivacité de Leit qui trouve la solution. Malonga, elle s'est retournée, le fade away. C'est un rêve sur le premier carton, il est en train de transformer un tout petit peu, c'est beaucoup plus difficile. 0 sur 2 pour Malonga dans ce deuxième. Alors que Alix Duchet et son équipe de Bourges retrouvent des certitudes. 27-19, peut-être moins. Passe. Si cette passe arrive à destination, c'est le caviar. Le pick and roll servi à la perfection. Je dis Anna Maria Philippe, elle est très très bien sur son entrée en jeu. Le pick and roll est beaucoup bien, la passe est magnifique. Avec un retour, ce qui permet au grand de remonter rapidement. Incroyable, 13 à 1 dans ce deuxième carton. Il y a eu deux matchs différents pour l'instant. Kessler au bout de l'effort, c'est dur. Deux possessions d'écart désormais. Le retour en grâce des verrouillères. Heureusement pour Tarp, ça met pas ça, hein, parce que ça revenait à une possession. Va réussir à marquer un panier dans le jeu dans ce deuxième carton pour Tarbes, alors que tout marchait dans les 10 premières minutes. Elle n'arrive plus à trouver le chemin du cercle et on voit ce que faisait Bourges tout à l'heure. Non, mais surtout il y a deux marchés, il y a un marché au départ qui est massif, je dis où, sauf que comme elle enchaîne sur un deuxième marché, ils sont obligés de cibler les arbitres. Et un autre ballon pour revenir à une possession. 5 minutes 40 encore à jouer dans cette première mi-temps. Paul Fopossi qui a pris un petit risque là, parce que derrière ça libère des joueuses comme Sheikh Collet. Elles s'en sortent bien encore, le TGB, elles ont joué avec le feu. Par contre à la course, Malonga s'était proposé. Elle forcément proposé, il y a de la servi. Hauteur oh. Et il y a un raté aussi. Ça c'est dommage, c'est tellement bien joué de s'appliquer ce genre d'action. La contre-attaque rapide, Sarah Michel Bourri dedans. Plus qu'une possession d'écart. Action. La domination est totale. Cette action elle fait très très mal, hein, parce que d'un côté on a un panier qui est facile sur le trailer, qui est bien servi au bon moment mais qui rate, et l'autre côté ça enchaîne sur une transition et shoot à 3 points. Incroyable, incroyable. 16-1 près dans le deuxième carton. En 5 minutes, c'est incroyable. Quel scénario improbable. On l'aurait écrit, on l'aurait pas cru. Moi je l'aurais cru. En tout cas, la première journée des playoffs, match aller-retour sur Sport en France, tous les matchs diffusés gratuitement. Carla Leit, balle en main, elle est contestée, elle aurait presque pu avoir une one là-dessus. Chez Collet qui fait juste un pas trop, c'est pour ça qu'on lui siffle la faute. C'est bien provoqué, hein, de la part de Carla Leit. La joueuse formée à l'ASVEL qui va provoquer. Sur la contestation, c'est lancé. Bloqué à 7 points. Comme toute une coéquipière, elle a été muselée dans les 5 premières minutes de ce deuxième carton. Comme tout, hein. Si elles ont marqué 15 points, elles ont été dans le but toutes. Et là, c'est là pour voir cette capacité qu'a Bourges d'élever son niveau de jeu. Qui vient stopper une impitoyable série pour les tangos. 29-24 désormais, ce match va se resserrer. On est sur une zone justement pour les challenger un petit peu, zone match-up. Hein. Elle a choisi son shoot, c'est son tir préféré là, en se rapprochant un peu 0 degré. C'est manqué. Oui, mais le ballon doit être volé là, celui-là.
L'activité Sarah-Michel Bourri, j'ai vu Sarah-Michel Bourri à 2,7 interceptions de moyenne. La saison exceptionnelle pour Sarah-Michel Bourri, l'une de ses meilleures d'ailleurs à Bourges. Il faut le souligner, il prendra sa retraite internationale après Paris 2024. Late, big pocket. Exactement, les mains actives encore une fois. Sauf que Fobo aussi a pu prendre sa chance de loin. Le retour de l'adresse pour les Tarbes. Et ben, c'est fort ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'elles retrouvent des solutions maintenant, elles se redonnent un petit peu d'air, elles sont à plus 8. Au moment où ça devenait de plus en plus difficile mentalement. On avait du mal à respirer nous-mêmes d'ici. Imaginez là-bas avec la pression. Ouais, Fred, il est en asphyxie. Ouais. Philippe se retourne, la belle passe, et le contre. Énorme contre dans le dos. Il y avait Malonga. Elle fait la remontée, hein. Elle aurait pu faire cause to cause derrière. Elle a choisi Popossi, ça va revenir dans ses mains. Le tir à 3 points. Une alien vient d'apparaître sur vos écrans. Dominique Malonga, la meilleure jeune de la saison 2024, 2023-2024, qui est juste impressionnante. Le contre, dans un premier temps, Fred, elle traverse le terrain. Le cross en passant, ça revient dans les mains de Popossi. Ouais, c'est un plan séquence qu'on vous propose, hein. C'est malonguesque. Et le tir à 3 points derrière, elle a vraiment progressé dans ce secteur. Elle a progressé, on le voit en fait. Elle a une mécanique de shoot qui est très très bonne, et dès qu'elle prend ses bons appuis, c'est dedans à chaque fois. Mais ce qui est impressionnant, c'est que d'un côté, défensivement, elle fait l'effort, elle met un gros pont, elle court, elle relance sa contre-attaque, et finalement, elle l'a fini grâce à un gros shoot à 3 points. Franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter, hein. C'est cette joueuse. On est d'accord qu'on est à 35-24, c'est un petit peu en train sur le score, je pense. On est à 8 déjà. À 35-24, exactement, 35-24, le bon score, on va remettre ça dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. La sensation, Dominique Malonga se poursuit, 15 points, on le rappelle, son record en carrière, en dehors des playoffs, c'est 22. Elle avait été étincelante, souvenez-vous, ce match contre Roche-Vendée. Elle est en train de faire, à mon humble avis, sa meilleure première mi-temps de sa carrière. C'est une des meilleures premières mi-temps que j'ai vues d'une joueuse en général. Hein. Bon, ah, carrément. Parce que oui, parce qu'elle domine des deux côtés. C'est vrai. C'est ça qui est impressionnant. Ça s'appelle être malonguesque, en fait. Ah, je ne sais pas l'expression, mais ok. Philippe, le petit tir drop, c'est dommage, ça aurait mérité mieux, mais ça va lui revenir dans les mains. Sauf que là aussi, c'est contesté par Malonga, parce qu'elle est sur tout, elle conteste tout. Michel Bourri, ça c'est un bon tir pour Spadou, elle les aime, c'est là, ceux-là. Rebond, encore une autoritaire Anna-Maria Philippe. Anna-Maria Philippe, par contre, elle fait beaucoup de bien. C'est bien mieux que Kayla Alexander pour l'instant. À toutes les entrées, hein, Anna-Maria Philippe sont récompensées. Ça va revenir avec Sarah-Michel Bourri qui s'écrase un petit peu sur son déposé. Comment ça va? C'est provoqué, la photo offensive. J'aimerais bien voir le ralenti là, Fred. Alors là, il y a débat. Ah, il y a le petit. Pour moi, il y a le petit pas sur le côté. Elle bouge, mais vraiment très bonne. Regardez le pied droit. Regardez le pied droit, Fred. Ici. Ah, quoique. Ouais, pas tant que ça. Ah, hein. Quoique, je le voyais plus net sur le plan d'avant. Et cette faute, elle a été sifflée contre qui? Contre Bourges, Fred, à l'instant. Et Kessler qui est content, hein, quand même. Parce que elle, sent bien, elle, elle regarde l'arbitre directement en se disant oulala, j'ai fait une connerie. Et là aussi, il y a une histoire pour Serena Kessler, Fred. Je sais pas si on la connaît. Du côté du grand public, mais elle a connu quand même à 3 reprises en l'espace de 3 ans une blessure au ligament croisé. Hein. À 3 reprises en l'espace de 3 ans, entre 2020 et 2024, ça a été terrible. Elle revient pour vivre peut-être sa plus belle saison. On lui donne 26 minutes de temps de jeu du côté de Tarbes. Elle se régale. Mad, bonne déviation, mais le ballon n'était pas arrivé. Pourtant c'est là qu'il faut l'attaquer, hein, cette zone. Et Paul Popossi, celui-ci aussi n'arrivera pas à destination, ça va être rendu pour les tangos. Elles ont envie de courir. Hein. Tout à l'heure quand elles couraient ça fonctionnait, donc elles ont envie de continuer à courir, à trouver des paniers faciles. Sauf que maintenant le repli est meilleur, hein, du côté de Bourges. Encore 2 minutes 30 dans cette partie. Toujours avec sur un cette zone. Ouais. Scénario parfait en termes de suspense.
Bourges qui revient fort dans ce deuxième quart-temps à l'image de Sarah Michel Bourri, trop courte. C'est pas un bon shoot celui-là, on l'a vu partir, il était contesté. Après, il restait plus beaucoup de temps, il était quasiment obligé de le prendre. Bokossi qui veut se rapprocher. Ouais, elle allait chercher la diagonale, encore un rebond offensif. Et non, c'est raté, mais encore une fois de l'activité. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai rarement vu ça quand même dans un match de LFB. Ah ouais, cette densité. Alors oui, il y a des joueuses qui ont fait des matchs extraordinaires évidemment. Et je suis pas en train de dire que c'est le meilleur match que j'ai vu. Mais par contre, dans l'intensité pour une joueuse aussi jeune, le volume de jeu, franchement c'est incroyable. Fred, on le sait, elle n'aime pas être comparée à Victor Wembanyama, et ça on peut le comprendre. Être comparé, c'est jamais plaisant, mais il y a des similarités. Des similitudes dans la domination. On est sur une joueuse qui domine des deux côtés du terrain. Il y a quelques similitudes, je suis d'accord. Parce qu'elle est capable de shooter maintenant, en plus, comme elle a progressé sur ça, elle commence bien, elle peut remonter le ballon, elle peut gêner tous les shoots. Oui, il y a quelques similitudes, évidemment. Stéphane. Encore une fois, un ballon perdu. Elle n'y était pas, Kessler, main droite. Ça suit avec Camille Droguet. C'est ça aussi, la capacité qu'elles ont, ça court, mais ça suit derrière. Elles ont confiance, mais elles vont quand même assurer le rebond. J'aime bien ce qu'elles font quand même. Voilà. Contourner, et la faute, elle sera pour Dominique Malonga. Ouais, mais ça, c'est bien amené par Sarah Michel Bourri. Elle fixe bien jusqu'au dernier moment. Elle oblige Malonga à sauter. Ah, elle est en retard. Elle est en retard nettement. Et donc elle est en retard, mais vous êtes sûr que c'est pas Fopossi qui prend la faute là? J'ai pas le tableau. Parce que j'ai vu Fopossi lever la main tout de suite. Possible, c'est possible. C'est possible, Fred, puisque elle reste à une faute, hein, visiblement, Dominique Malonga. Marie-Paul Fopossi a pris sa deuxième. Et c'est terrible, ces lancers qui se poursuivent. Fopossi à la relance. Qui conserve ce ballon malgré la pression de Sarah Michel Bourri. La passe en hauteur pour Malonga. Late. Late, c'est son shoot. Ça, c'est son shoot. C'est bien. C'est un bon shoot. Tu peux rien dire sur ça. Après, dribble, elle est très très bonne. Stéphane Mal qui demande du soutien. Duché. Man, la tentative à 0 degré, elle est quasiment contrée. Ouais, mais cette défense de Malonga, encore une fois. Elle est restée sur la joueuse adverse, Camille Droguet, qui cherche le tir. Elle va le rentrer. Improbable. Il y avait le contact pourtant. Elle a du tempérament, cette jeune fille. Non, c'est bien ce qu'elle vient de faire. Hein. Tout à l'heure, elle prend le rebond. Là, elle pénètre sur Sarah Michel Bourri. Ouais, ça fait 4 points pour Droguet. Et elle va jusqu'au bout. Hein. 40 à 25 après un gros temps faible, Tarbes finalement s'est bien remis dans la partie. Impressionnant. Allez, vous changez. Il va rester 22 secondes et vous allez voir. Et Dominique Malonga qui va sortir visiblement pour cette première mi-temps. On ne retrouvera pas officiellement en double-double, Fred. En 18 minutes de jeu, 15 points, 10 rebonds et déjà 18 d'évaluation. Le match peut s'arrêter. Elle a fait ce qu'il fallait déjà. Ouais, on parlait de Carla Leight, draftée 9e dans la draft. On peut saluer Leila Lacan qui entrera en compétition demain. Draftée une place plus tard. Exactement, à la 10e. Un jour, peut-être, Dominique Malonga fera partie de cette liste. Des joueuses draftées en WNBA. Alors que le public commence à se prendre au jeu, hein, vraiment. Mais je pense qu'au départ, ils ne croient pas vraiment et je crois qu'ils commencent à y croire très sérieusement. Ah, pourtant, il y avait des retardataires, hein, souvenez-vous, en début de match. Oui, c'est ça, ils arrivent, on y va, mais bon, c'est ce qui va se passer. Ils n'avaient pas pris conscience de ce qui allait se passer dans la première mi-temps. Hein. Mais je pense qu'ils regrettent.
Et c'est bien fait pour eux, il faut arriver à l'heure. Ça c'est envoyé, monsieur Weiss. Vous avez raison, 5... Non, il y a 20 secondes, j'ai eu un doute. La dernière attaque, elle sera pour le TGB, soutenu par son public. Ah, le ballon a touché le pied de Carla Leite. Obligé d'envoyer une balle difficile. Camille Droguet qui se jette pour ne pas la perdre. Ils font tous les efforts là. Ça proposait du soutien avec Zodia. C'est Poposi qui va toute seule comme une grande. Et Poposi, c'est magnifique. Elle vient de faire aussi. Elle aussi, elle fait un gros match. Hein. Un énorme match, Poposi. Et ça va se conclure là-dessus, Fred. 42-25. Tarbes. On voit un grand, grand message à son adversaire du soir, à son adversaire de la série. Les Berruyères vont devoir sortir le grand jeu pour gagner ici à Tarbes ce soir, avant de se retrouver la semaine prochaine au Prado. Tarbes est en train d'expliquer, pour nous battre, il va falloir être très, très solide. Alors 5 minutes, ça ne suffit pas, parce qu'on est revenu dans le match, on a été mené à 16-1, vous m'avez dit, c'est ça? Et regardez, on est à 16-17. Elles sont revenues à un point finalement dans le deuxième quart-temps. C'est incroyable ce qu'elles ont proposé. Félicitations à elles, j'espère qu'on va avoir un petit peu de retour de bourse pour qu'on ait un match serré, mais en tous les cas pour l'instant ce que fait Tarbes c'est pas facile. Ah, il va falloir rester hein, pour cette deuxième mi-temps, supporter de Bourges, supporter de Tarbes. On voit bien sûr quelques passages, celui d'Anna-Maria Philippe a été très bon, Fred. Bah, je dirais que c'est la meilleure joueuse de Bourges, non? Je ne sais pas, je peux me tromper un petit peu peut-être, mais j'ai l'impression qu'en tous les cas ce qu'elle a proposé, de l'énergie, de l'envie, du Anna-Maria Philippe, et elle a été dans son rôle. Exactement, il faut saluer la performance d'Anna-Maria Philippe, meilleure marqueuse de ce match pour Bourges, hein, tout simplement. Fred, 7 points, elle n'a raté qu'un tir et elle a pris 5 rebonds. Mine de rien, on parle de Malanga et c'est 10 rebonds. Elle en a pris la moitié, Anna-Maria Philippe. Oui, Anna-Maria Philippe, je vous dis, elle a vraiment fait le taf. C'est Kyle Alexander qui est un peu dans les choux. Il va falloir qu'elle nous propose des choses un peu plus intéressantes sur la deuxième mi-temps quand même. Ouais, c'était notre duel Malanga-Alexander. Pour l'instant, Alexander, c'est un seul tir tenté, 0 points marqués, avec seulement 2 rebonds. Concrètement, c'était un bon duel, hein, mais c'est Malanga qui est en train de remporter haut la main. Allez, on revoit encore quelques actions avec celle-ci. Peut-être l'action de cette première mi-temps. Elle a tout fait là-dessus. Le contre, le dribble pour aller traverser le parquet. Et puis le shoot à 3 points derrière. Elle a tout en magasin. Et que dire des joueuses qui l'accompagnent, Camille Droguet à l'image. On va se retrouver dans une deuxième mi-temps immanquable. Ce match, il ne fallait pas le rater. Surtout cette première mi-temps. On n'en parle pas de la deuxième, Fred. Non, la deuxième, il ne faut pas la rater. La première, c'est pas grave. On peut arriver un petit peu tard. Mais c'est maintenant que ça compte. A tout de suite. Voilà, ça vous rappelle certainement des souvenirs. Moi, je m'appelle Ngo Ndiok Anna, j'ai 23 ans. Je suis d'originaire de Paris. Je fais du 3-3 avec l'équipe nationale. Là. Le 3-3, c'est une discipline à 3. C'est sur un demi-terrain, à la différence du 5-5. On va commencer par le dribble, c'est très simple. C'est le béaba du basket. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Si tu sais pas faire ça, c'est compliqué. Si tu sais dribbler, tu sais tout faire. C'est très simple. Tu vas taper la balle, ce qui va donner l'impulsion et la faire rebondir, comme ça. Là, je regarde. J'ai les yeux fermés, je peux faire plein de choses. Maintenant que tu sais dribbler, on va essayer de compliquer un peu les choses. Ça s'appelle in and out. C'est très simple, je vais partir en dribblant. Il va croire que je vais aller à droite, il va me suivre, c'est sûr. Mais en fait, je vais aller à gauche et il va rester derrière moi. Là, du coup, je vais le montrer à vitesse réelle sur Marie. Là, du coup, je dribble avant. Et là, j'envoie in and out. Et je finis. Voilà. Après le in and out, je vais vous montrer la passe entre les jambes. Vous vous imaginez quand on était à la salle et qu'on devait faire de la muscu et qu'il fallait faire des fentes et que c'était relou. Bah imaginez là avec un ballon. Tu pars comme ça. La balle, entre le passement entre les jambes, c'est pour battre l'adversaire, le laisser derrière nous évidemment. Et pour aller marquer parce qu'au final, dans le basket, le but c'est de mettre des paniers et de mettre des points. Dernier mouvement, le lancer franc. Au 3-3, c'est un lancer franc après chaque faute. Chaque joueur a son rituel d'avoir lancé franc. Moi, je vais vous montrer le mien. Tu te mets en position fléchie, jambes fléchies. Moi, je pose un dribble, deux dribbles, trois dribbles. Ensuite, je regarde le panier. Je souffle parce qu'il y a la pression. Et là, un peu plus de speed, ça devrait le faire.
Je suis Florian Fouquet, j'ai 31 ans, ma discipline, le tir au pistolet à 10 mètres. Et c'est parti. La cryothérapie, donc dans une cabine, c'est moins 110 degrés. L'idée, c'est aussi que le corps ne s'habitue pas à une certaine forme de récupération. Allez. Ouais, nickel. Le principe est de faire un travail cognitif avec l'objectif de travailler sur l'amélioration de ton sommeil. On néglige rien. J'ai fait le choix de rien laisser de côté, me donner toutes les chances en fait et de ne pas avoir de regrets pour les Jeux Olympiques. J'utilise une petite balle assez rigide. Je viens l'appliquer sur le muscle. L'idée c'est de malaxer un peu le muscle. Il intervient forcément sur la stabilité de l'épaule quand on vient lever l'arme. L'idée, c'est qu'aucune pensée parasite extérieure vienne me perturber. Ça serait effectivement l'idéal, de ne pas laisser la place à une pensée parasite, de couper le cerveau, de mettre un mode off, et puis de laisser les automatismes fermes, puisque le geste, on l'a répété des milliers de fois à l'entraînement. On le connaît, on sait le faire. Tous les jours, c'est une partie de jonglage entre mon boulot et puis le tir sportif. Je suis ingénieur en système embarqué. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc c'est un cursus de 5 ans. Aujourd'hui, ça consiste principalement à faire du développement logiciel dans le domaine des batteries pour l'ensemble de la mobilité électrique. On va coder l'algorithme qui va définir que la batterie soit protégée dans tous les cas. Donc là, j'ai une carte électronique et en fait, je vais venir coder le comportement de la puce qui est dessus. Mon rôle, en fait, c'est d'écrire des lignes de code et de vérifier que le comportement soit bien celui attendu. Le but, c'est de mettre en sécurité l'utilisateur. Mon point fort, c'est que je suis capable d'enchaîner des très beaux coups à la suite, d'avoir des longues séries de 10. Là, c'est un 10.9, le tir parfait. C'est le maximum de points qu'on puisse faire au tir au pistolet sur une cible à 10 mètres. Mon point faible aujourd'hui, ça va être la gestion de la fin du match et que je sais que derrière, il y a une performance intéressante qui permet d'éventuellement d'aller chercher une médaille. Mais là, l'émotion se fait encore plus grande et donc c'est ce que j'essaye de travailler. Je ne pense pas qu'il y aura une pression supplémentaire liée au fait que les Jeux soient en France. Le stand, on le connaît, j'ai déjà été performant là-bas. Là, on est chez nous. Donc je pense que c'est plutôt rassurant. Rendez-vous à Châteauroux. L'escrime à l'âge de 12 ans. C'était en fait ma cousine qui était venue me rendre visite aux États-Unis, à New York, là où j'habitais. Et c'était moi, le babysitter, qui devait l'emmener faire un stage d'escrime. En fait, au lieu de rester assis, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et du coup, c'est vraiment par hasard. Et à quel moment j'ai pris ce sport au sérieux, c'est dès le début. C'est vraiment aux États-Unis, il y a vraiment cette philosophie d'être le meilleur tout de suite. J'ai vite arrêté les autres sports comme la natation, le foot ou l'escalade. L'événement déclencheur pour ma carrière de sportif de haut niveau, c'est quand j'ai su que je ne pouvais pas être escrimeur de haut niveau pour les États-Unis. C'est-à-dire que je ne pourrais pas participer pour les Américains. Tout était calculé, je devais finir mon université américaine, j'avais une bourse. Du coup, mes parents payaient moins cher l'université grâce à l'escrime. Mais finalement, je sentais que l'escrime n'était pas à son plus haut niveau là-bas. Mes deux parents étaient français. Et du coup, là, j'ai vraiment voulu prouver déjà aux États-Unis que j'avais le potentiel d'aller au jeu et je voulais aussi prouver à moi-même que je pouvais y aller. C'est ce qui m'a poussé aussi à déménager en France, d'apprendre
la philosophie et le savoir-faire français dans l'escrime. Il y a des périodes de doute, il y en a tout le temps, même constamment, même maintenant, en ce moment. Je veux dire, je pense qu'aller courir longuement, m'entraîner longuement, c'est ce qui m'a permis d'être plus zen quand je me posais des grosses questions. Et finalement, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire mon choix, de m'écouter moi-même et de dire, en fait, c'est ce que tu veux faire dans ta vie, c'est d'aller aux Jeux Olympiques et suis ton rêve. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est l'événement XXL. C'est mon premier podium, si on peut prendre ça avec un peu en rigolant, parce que voilà, j'avais pas gagné encore une Coupe du Monde à l'époque. C'est aussi le commencement d'une carrière après, derrière, qui a été plein de podiums, parce que je voulais prouver à moi-même que c'est pas juste par hasard que j'étais là. Parce que quand vous allez aux Jeux Olympiques, c'est pas par hasard non plus, en fait. J'ai du mal à dire mes émotions sur ces genres d'événements parce que j'adore le découvrir. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'y vais pas avec une a priori de comment vont être les Jeux Olympiques. Parce que de un, si on regarde le futur, on peut être déçu ou même on peut être surpris. Et c'est comme ça, en fait, qu'on réussit pas, par exemple, dans des compétitions. Si on se dit, je suis surpréparé ou des choses comme ça. Moi, je me rappelle qu'à Tokyo, j'y allais avec des yeux d'enfant. C'est comme si j'allais à Disneyland. Et du coup, tout était une surprise et tout était une découverte. Et c'est comme ça que j'ai envie de vivre les Jeux, qu'ils soient à Tokyo ou à Paris. Et du coup, je ne pense pas vraiment à comment va être l'événement, en fait. Moi, je veux juste vivre l'événement, c'est pas pareil. Mais je sais que si je montre vraiment mon escrime, je suis capable sûrement de regagner les Jeux Olympiques. Ça j'en suis persuadé. Il y avait mes deux grands frères qui briquaient avant moi. Moi, je les suivais en fait quand j'étais petite. Ils faisaient du sport, du foot, du karaté. Et après, ils ont commencé à faire du break. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit vas-y, viens essayer et tout ça. Du coup, j'ai essayé et enfin, ça a tout de suite matché. J'ai vu qu'on pouvait beaucoup voyager, qu'à chaque fois on se surpassait. Donc moi j'aimais bien me tester, c'était tout le temps un challenge. Quand j'étais petite, j'ai fait de la danse laotienne avec ma mère et ma sœur, et mes tantes, mes cousines, toute ma famille. J'aimais bien le fait d'avoir un contrôle de son corps et de l'emmener dans différentes énergies. Parce que la danse laotienne, en fait, ça a un côté hyper gracieux, hyper féminin. Dans la danse laotienne, on est des princesses quand tu danses. Et je sais que dans mon break, je vais pas accrocher le sol comme une brute. Moi, je vais plus essayer de fondre dans le sol que de... Je suis pas très terre à terre, en fait. Et si tu vas faire les JO, c'est le truc, quoi. Et du coup, je pense qu'on a aussi cette pression-là de l'entourage. Gagner ou pas, c'est pas mon objectif numéro 1. On va dire que c'est le numéro 2 ou 3. Mais mon objectif numéro 1, c'est vraiment de représenter moi, ma danse, et montrer qu'il y a vraiment une diversité dans le break et qu'il n'y a pas que des gros mouvements. Sur Sport en France, de retour en direct du Quai de la Dour pour un match sensationnel entre Tarbes et Bourges. Les tangos qui sont menés 42 à 25 et qui devront absolument réagir dans la deuxième mi-temps. Elles ont trouvé des ressources après un premier carton de folie du TGB, mais le TGB finalement a résisté et a maintenu cette avance. Fred, 42-25, c'est lourd. C'est lourd, c'est très lourd, mais on le voit, hein. C'est simple. À 3 points, t'es à 2 sur 11. C'est-à-dire que t'as balancé et que t'as été ultra maladroit. Et après, quand t'as provoqué des fautes, t'es à 5 sur 10 seulement au lancer franc, 50%. Les pourcentages sont trop faibles. 7 sur 21, 2 points.
Il va falloir mettre des paniers de temps en temps, être un peu plus adroit, parce que pour l'instant, cette équipe de Bourges Basket est dans le dur, clairement dans le dur, parce que la défense est bonne en face, oui, mais aussi parce qu'elle ne met pas les shoots ouverts. Il va falloir se ressaisir, et très vite, on le rappelle, c'est pas la première fois qu'on le dit, Fred, mais l'importance de ce match en aller-retour, c'est l'écart de points. Au pire, Bourges peut le perdre, mais doit essayer de limiter le plus petit écart possible avant de revenir dans une salle où il est très difficile de gagner le Prado. Oui, bien sûr. Il va falloir prendre le plus d'avantages possible et d'avance possible pour Tarbes si elles veulent s'imposer. Hein. Clairement, c'est, cette deuxième mi-temps, ça va dicter ça. Mais après, elles ont de l'énergie quand même, hein, cette équipe de Bourges. Elles ont de la patience. Et elles savent jouer au basket. Elles savent comment faire justement pour revenir dans un match. Donc normalement, elles doivent pouvoir le faire. Il va falloir voir si cette jeunesse est capable d'assumer ça. Et si Tarbes est capable de résister à ce retour. Merci pour Sarah-Michel Bourri. Ouais, Asté qui arrive à se faufiler. C'est pas la première fois qu'elle cherche Chez Collet. Ouais, il faut qu'elle mette Chez Collet. On est à 2 sur 12, à 3 points. Même dans son jardin, Pauline Asté qui ne met pas dedans. Elle s'arrache pourtant pour aller chercher un rebond offensif. Spanou, toujours pas d'adresse de loin. Elles vont quand même s'acharner les verruyères. Mais c'est dingue. 2 sur 13. Et encore un rebond offensif. Se rapprocher un petit peu, trouver de l'alternance, voilà. Ça fait longtemps qu'on... Et la faute, elle est offensive. Sur Spanou. C'est une faute sur Spanou, justement, sur la position au rebond. Elles sont pas dans le coup. Elles sont pas du tout dans le coup. Regardez le body language. Elles sont dépassées. Le langage corporel. Je voulais, j'ai des habitudes de parler avec des mots américains. C'est le langage corporel des joueuses de Bourges. C'est un peu plus... Oh là là, ce rebond! Quel rebond magnifique, là! Pocosi, vraiment, qui est très présente. Ouais, superbe match hein, pour Marie-Paul Pocosi, qui a été une joueuse déterminante dans cette première mi-temps, 44-25. Sarah-Michel Bourri qui montre l'exemple, et un nouveau contre qui vient de s'abattre de la part de Malonga sur une berruyère. Décidément, les Tarbais ont envie de se mettre devant la caméra. Oui, alors c'est Serena Kessler, hein, tout à l'heure sur le rebond et le panier, excusez-moi. Mais là, le contre. On va le revoir. En haute altitude. Mais surtout qu'il est tellement clair. Ouais. Tu peux même pas hésiter en disant qu'il y a faute, il n'y a rien du tout. Le bloc net. Un mur. Le mur Malonga qui vient de s'abattre. 44-25, elle réclame le ballon au poste. Elle a l'avantage peut-être sur Spadou. Finalement, c'est pour Carla Leite qui se décale à 3 points. Elle appuie. Et Drogué qui récupère ce rebond, vraiment. Elles sont sur tous les bons coups aussi. Hein. Elles ont l'air amorphes, les joueuses de Bourges. Ouais, concentrées, les joueuses de Tarbes de l'autre côté. Là, ça peut être un ballon de contre que Sarah-Michel Bourri peut utiliser à bon escient. C'est... Ouais, mais ça fait la faute, ça fait la bonne faute. C'est Serena Kessler qui préfère faire la faute. Elles sont un petit peu en retard. Remise en jeu à suivre. Ouh, attention, ballon volé dans les mains. Carla Lay qui vole le ballon, qui court en contre-attaque, qui provoque comme une joueuse avec énormément d'expérience, alors que c'est encore une très toute jeune joueuse. Allez, ouais. Elle va voler ce ballon et ensuite elle va aller défier Pauline Astier qui est obligée de faire faute, qui baisse le bras, donc forcément faute. C'est net. Et Leite qui va pouvoir, pourquoi pas, augmenter son compteur points. Elle qui est sur des statistiques plutôt à sa moyenne. Elle tourne à 16 points par match. Elle est aux alentours des 10 points maintenant. Vous avez vu que Leila Alexander, comment elle lutte pour repousser les rebonds de Malonga. Et qui l'eût cru, hein, Fred, avant ce début de partie. Wartarbe à plus 20 dans le troisième quart-temps. Et même dans votre duel, le duel que vous aviez choisi, qui aurait pu imaginer que Kayla Alexander se fasse prendre pour un bébé par Malonga. Le duel des intérieurs a l'avantage largement de l'internationale française. Spadou, ça c'est un tir qu'elle peut mettre. Toujours pas, Kay Alexander qui s'arrache au rebond offensif. C'est la meilleure dans l'exercice. Ça, c'est et bien là, joué. Ça voilà.
elle s'impose avec ses tentacules. C'est ça qu'on veut voir, c'est cette capacité à prendre des rebonds, à être forte au sol et pouvoir avoir ces deux points faciles pour elle. Ok, avec Poc. Elles sont en zone, hein. Les joueuses de Bourges. Et Poc qui déclenche, et pourquoi pas, on n'avait pas encore parlé de cette jeune femme, Maëlys Poc. Elle est 31 ans, c'est peut-être exagéré, en tout cas. L'Estonienne est un bon joker à Isabelle Yacoubou qui a pris sa retraite. Sarah Michel Bourri dedans, ça y est, à 3 points, ça va lui faire du bien. Sauf que personne n'en met, mais elle en a mis deux déjà, Sarah Michel Bourri. Et heureusement. Bon, c'est pourtant pas forcément la première hein, qui shoot à 3 points d'habitude. Elle prend ce qu'on lui donne. Poc. Elle servit encore Poc dans un fauteuil. Elle met des tirs en se retournant comme ça. Elle déclenche sur une jambe à la Dirk Nowitzki. Et franchement, elle fait du bien. Elle rentre, elle nous met deux gros paniers comme ça. Et Poc. Et Poc. Et là, c'était Pauline Astier qui se rate. Mais encore, hein, l'importance de Kyle Alexander qui est retrouvée. Qui nous a entendu surtout. Il s'est dit oui, peut-être que je suis un peu trop dominé, c'est pas normal, je vais lui montrer que je suis capable de prendre des rebonds offensifs et aller la provoquer. Ouais, surtout qu'elle domine dans deux secteurs du jeu cette saison, c'est la numéro 1, on le disait, au rebond offensif, un peu plus de 3 par match, et c'est la meilleure au pourcentage au tir, Fred. Hein. Elle a un pourcentage de 66 sur la saison. Ouais, quand elle prend une position à l'intérieur, donc c'est très compliqué pour l'adversaire, surtout que Valentin est très athlétique. Hein. Donc c'est dur de jouer sur elle. Elle est Alexander. Pour le deuxième lancer, c'est aussi une de ses qualités. Elle est souvent propre sur la ligne. Elle le montre et elle réduit un petit peu l'écart. 49-32. Poc. Poc, elle vient de mettre deux tirs. Elle peut en mettre un troisième. Malonga, encore un rebond offensif. Elle était en double-double à la mi-temps. Late. Late derrière l'écran. Le bon écran, le bon shoot. Ça peut avoir un rebond offensif, ça. En tout cas, ça se bat. Ça remonte le terrain avec Shea Coley. Shea Coley, l'interception, elle est nette. Défense. Elle est propre et il y a un 3 contre 1. Carla Leite qui va tout seul. Et le N1. Oh, c'est fort ce qu'elle vient de faire sur la grecque. Elle vient de la jouer en petite filou là, Carla Leite. Au combat. À l'ancienne, elle l'a joué à l'ancienne avec un Eurostep. Et elle va la provoquer, elle met le panier en plus. Pas nous qui se plaint de dire mais je fais pas faute. Elle aime ça. Carla Kamikaze. Alors on a vu en fait elle fait pas faute réellement, sauf que comme elle a le bras baissé et que Carla Leite va l'attaquer sur ce bras, bah les arbitres sont obligés de siffler. Et oui, possibilité de N1 pour la MVP du championnat d'Europe U20 l'été dernier. Un petit peu moins Malonga, mais Carla Leite on la voit bien, et Poc aussi. Et revoilà les 20 points, hein. La barre des 20, Fred, qui se maintient pour le TGB. Tarbes, 7e du championnat, qui mène de 20 points contre le 2e de la saison régulière, Bourges. Elle ne sait plus quoi faire, la pression défensive qui est mise, regardez. Impressionnant. Le shoot qu'elle est obligée de prendre. Ah, ça aurait été un c'est petit Steinberger, miracle. C'est là qui était sur des appuis complètement décalés. Même franchir cette barre des 20 points parce que le ballon est pour Tarbes. Elle peut faire plus que 20. Tu recules, elle va te le prendre. Hein. Elle a beaucoup de chance là, sur cette action, Mann. Ouais, parce qu'il y a du culot en face. Hein. Oh oui. Bon, on le disait, hein, c'est un peu l'expérience contre le culot et pour l'instant, c'est le culot qui est devant et largement. Michel Bourri qui revient sur ses pas. Il y a Christine Mann qui se montre. Elle va y aller au mastic, Christine Mann, comme elle sait le faire. Ouais, je pense, ça aussi, ouais, voilà. Voilà, Alexander qui va se battre, qui prend ce rebond. Et elle remporte ce nouveau duel. Qu'elle est là. Hein. C'est en train de se resserrer. Il y a une bonne deuxième mi-temps de Kayla Alexander. Ouais, c'est ça. Elle prend bien le relais d'Anna Maria Philippe, mais sauf qu'autour, pas grand-chose. Hein. Ok. Elle fait sauter. Pour Malonga, elle est très loin du cercle, ce ballon qui va être rendu au Berruyère sur une bonne bagarre là. Ouais, ils sont bien battus, ils ont fait une sorte de prise à deux qui a obligé Malonga à sortir. Allez, Palais, on va chanter dans quelques secondes avec l'Ouzbé. On va jouer avec Duché et Astier sur le terrain en même temps. Ouais, elles peuvent s'associer. Oui, c'est ça. Les deux créatrices. Ben pour mettre du rythme, pour mettre plus de pression encore sur le. Les ballons. Et la sérénité est dans le jeu hein, de bonnes manœuvres de ballon. Et passer Astier. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien pour Astier qui était dans le dur depuis de longues minutes.
un match spécial pour elle. Hein. Sa famille est venue forcément à la maison, la Tarbèze. Pour l'instant, c'est Leite qui est plus en cadre, plus en rythme. Kessler. Elle a contourné tout le monde et elle arrive à marquer dans une position très inconfortable. Ah, elle fait une bonne deuxième mi-temps. C'est un bon début de deuxième mi-temps en tous les cas pour Kessler. Serena Kessler. Et la 2-3 proposée par François Gomez et ses troupes. Oh, oh là 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 là. C'est en train de devenir un calvaire de jouer cette joueuse. Elle est partout surtout. Une contreuse en herbe. On va la revoir. Elle fait mal, très mal. En fait, il n'y a pas de temps de dégainer sur elle. Pourtant, c'était bien joué. Hein. Ligne de fond, Steinberger. Normalement, elle a endormi tout le monde. La défense ne l'a pas vu. Elle malonga la voie au dernier moment et avec son allonge, elle la compte quand même. Ok, je joue lointain ça, mais bon ça shoot rentre, ça rentre. Elles ont besoin hein, de ces munitions, de ces cartouches. Pourra. Demande du soutien. Roguet, vous ne rêvez pas, le score 54-39. Roguet qui se retourne, si elle le met, c'est improbable. C'est un coup très compliqué, mais par contre, elles se battent encore une fois en rebond. Le Serena Kessler. Ouais, mais parce qu'elles ont de l'agressivité, elles sont intenses. Ça s'appelle un match de play-off, Fred. Et Roguet va se lever. Elle mérite parce que tous les efforts qu'elle fait pour aller au rebond. Franchement, elle est active. Et ce shoot-là, c'est un très bon shoot de sa part. 18 points d'avance. Alix Duchet pour lui répondre en face. Ça y est, les bombinettes sont sorties. Et bah, si ça commence à mettre des paniers à 3 points, ça peut être plus intéressant ce match. Oh, il était déjà très intéressant. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, il y a quand même 4 points d'écart. Ça peut s'enflammer. Oui, pour Bourges, c'est une bonne idée. Sauf que Poc aussi peut dégainer. Rebond en altitude de Christelman qui est prise à deux. Obligé d'être aidé par Alix Duchet. Attention, le retour en zone toute proche. On a encore limite. Allez, 12 secondes pour faire mieux. Pauline Astier. Ça sort bien, c'est un switché là. Et Alexander, elle va feinter, elle va le prendre. Je n'étais pas sûr de ce shoot là. Elle a perdu un petit peu l'énergie. Le fait de faire une pump fake et de re-shooter après. Tango Bourges, la faute cool. Ouais, en bas. Poc, elle n'est pas là pour blaguer. Hein. C'est pas Poc qu'on a entendu là, c'est boum. Ouais, le public commence à donner de la voix. On va rentrer dans un moment important du match, forcément. Alors, la faute a été sifflée. Maïs Poc, sa deuxième faute. Et on va retrouver lancer franc. Les lancers qui vont être donnés à la Lettone. Anne Steinberger. Mais d'abord, ce sera un changement d'applaudissement. S'il vous plaît, Serena Kessler. La sortie. Serena Kessler. Pour Serena Kessler et le retour. Déjà de Carla Leite. Elle joue énormément, hein. Dominique Malonga et Carla Leite. Surtout, alors, en général, elle joue beaucoup, mais dans ce contexte-là, avec le niveau qu'elles ont affiché, c'est assez logique. Et dans un contexte aussi où Malonga ne fait pas beaucoup de fautes, Fred, c'est souvent un problème pour elle. Forcément, elle va contrer tous les ballons. À un moment, on fait des fautes. Hein. Déjà 3 contre dans cette partie. La bonne pression défensive et la faute contre Pauline Astier. Ah, il y a faute. Sur Carla Leite. On va le revoir au ralenti, elle contourne, elle touche le ballon ici. Je suis pas aussi sûr que ça. Ouais, il y a débat là. Il y a débat, ouais, c'est dur de prendre cette décision à vitesse réelle. Sans gravité hein, pour les Berruyers qui n'étaient pas dans la pénalité, sauf que c'est Carla Leite qui se ressaisit du ballon. La déviation de Poc vers Pora, Malonga qui a failli le perdre deux fois ce ballon. La faute. Elle s'en sort très très bien sur cette action. Parce qu'elle était très mal embarquée et que Malonga réussisse à provoquer la faute, c'est un petit miracle. Et la faute, elle est surtout provoquée sur Kayla Alexander, le match dans le match. On va surveiller le nombre de fautes de la Canadienne. À
Elle doit en avoir quelques-unes. Troisième. C'est la troisième. Elle est obligée de sortir. Et Alexander, troisième faute. On la reverra sans doute dans le quatrième carton. En attendant, la meilleure jeune de la saison 2023-2024 qui s'exprime sur les lancers. Elle n'avait plus marqué encore hein, depuis la première mi-temps. Voilà 16 points pour elle. En voilà 17. Et 13 points d'avance. 15 points d'avance. 15 points d'avance. 17 points, 12 rebonds. Michel Bourri, en slalom. La meilleure solution s'appelle peut-être Steinberger. Qui doit se livrer, ouais, qui doit attaquer. Quelle défense. Quelle défense de Camille Droguet. C'est magnifique, le rebond là, une main. Elle le perd, ballon perdu. Ouais. Il y a une belle activité, hein, des joueuses de Bourges. Elle s'arrache les verrouillères, il faut revenir au score. Et à d'autres moments, celui-là, il est assuré. Vous avez vu la différence. À deux mains, directement, je le baisse pour me protéger. Il est capté alors que Leight accélère. Elle a une faute offensive. Pour moi, c'est Malonga qui prend une faute sur sa prise de position. On va revoir encore un très beau ralenti. Là, il y a un coup dans le nez de la part de Dominique Malonga. Va-t-elle sortir au niveau des fautes? Bon, Dominique Malonga, c'était sa troisième faute. Trois fautes partout entre Kayla Alexander et Dominique Malonga. Le match était bien choisi. Très bon choix, félicitations. Elle est partie se rasseoir, hein, vous le découvrez. Sa remplaçante, forcément, s'appelle Zodia. L'ancienne de Bourges, Fred. Il y a une histoire, il y a plein d'histoires dans ce match. La voici à l'image, Jasmine Zodia qui fait, il faut le souligner, une très belle saison. On va dire une vraie découverte au niveau professionnel, puisqu'elle était dans des situations à Bourges où elle avait des petites entrées. Et encore des lancers laissés en cours de route. Trop de lancers francs, c'est pas possible. Alex Duchet qui se concentre sur le deuxième et qui s'applique. 59-45. Une minute encore à jouer dans ce troisième carton. Il est à l'avantage de Bourges. Ils ont monté la pression défensive. Les joueurs de Bourges, ça va plus haut. Ok, qui est passé derrière l'écran. Carla Leight qui l'attendait dans le rond central. Leight qui se rapproche. Ok, elle est capable de shooter. D'artiller. Ouais, mais Leight aussi. Leight, c'est un vrai bras. Leight, c'est un vrai bras. Et en plus, elle provoque les trois lancés. Anna-Maria Philippe s'en méfiait tellement. Trop même. En fait, quand on est joué aussi à droite, on est obligé d'être un peu sur le qui-vive, donc elle est sortie un peu trop fort sur elle. Ah, que ça doit être difficile pour les supporters de Bourges de regarder cette rencontre. Il va falloir sortir la calculette, sans doute dans le match retour, Fred. Il reste encore un carton et quelques secondes dans celui-là, donc attention quand même. On sait qu'elles ont cette capacité à prendre feu, on l'a vu, hein. Rappelez-vous, du deuxième carton, pendant 5 minutes, elles sont juste extraordinaires. Il y a encore plus que 5 minutes, mais elles sont capables de le faire. Carla Leight pour passer les 16 points, pour donner à Tarbes le 60e point. C'est fait. 60-45. On le rappelle, Tarbes n'a plus battu l'équipe de Bourges depuis 6 ans. Non, on est à 62-45. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est juste. On était à 59-45. Oui, effectivement, Fred. Bien vu. Le chrono et le score qui est bon cette fois. Pourra. Le dernier ballon peut-être. Ça va vite, hein. Vous avez vu la différence, ça va vite, on attaque. Après, ça laisse le temps justement de circuler le ballon. Alors là, c'est une erreur, mais c'est bien défendu du côté de Bourges. Que sifflet, que s'est-il passé? Une faute contre Steinberger, Fred. Une faute contre Steinberger vient d'être sifflée. Il y a quoi là? Alors peut-être sur le contact avant, sur l'estonienne. Ouais, mais pourquoi c'est pas sifflé quand il y a faute? Alors, ça va être net peut-être ici. C'est pas net. La main. Ou alors, à la limite, ça peut être un marché. Hein. Ah, on voit pas le geste de l'arbitre. Parce que concrètement, bah ouais, pas ça peut faute, être là. Que ça. Hein, parce que le, ouais, pour moi, il n'y a pas faute non plus. Carla Leight. Leight qui trouve Poc. Décalé sur Poc. Elle vient de gagner un ballon et elle a failli donner 3 points. Regardez qui prend le rebond. Zodia. Jasmine Zodia au mastic, elle aussi. Mal sur les rebonds offensifs, vous pouvez me donner la stat. Je vais vous donner ça dans quelques secondes, Fred. Effectivement, c'est une stat à pas prendre à la légère. Les rebonds offensifs dans ce match. Tu vois quand même une belle présence. Beaucoup de joueuses qui,
qui sont livrés, qui sont donnés. 13 rebonds offensifs dans le match. C'est beaucoup, hein. Et surtout, souvent, ça a donné lieu à des points. Dans l'exercice pour Bourges, c'est pas mal non plus, hein, Fred. On le mentionne pas, mais il y a 17 rebonds offensifs. Ouais, c'est logique, par contre, parce qu'elles ont tellement raté, surtout à 3 points, ça laisse beaucoup de possibilités. Mais j'ai l'impression que chaque fois qu'elles ont eu des rebonds offensifs, c'était pas pour marquer des points à chaque fois. Effectivement, pas récompensé toujours. Par contre, Alix Duchet, elle est capable de les mettre, ceci. On en restera là, à l'issue de ce troisième carton. La sensation reste du côté des Tarbaises. Les filles de François Gomez s'embarquaient peut-être dans l'un des plus beaux exploits du club depuis de longues années. Un club, on le rappelle, qui a dû passer pendant 3 ans par les play-down. Elles n'ont pas goûté aux play-offs pendant 3 ans. Et même quand elles avaient pu y goûter en 2021, elles avaient dû renoncer à ces play-offs Fred contre Bourges pour des raisons de cas de Covid. Ouais, en quart de finale. C'est extrêmement dur, mais vous avez vu, sur les 3 quarts temps, le premier, elles explosent Bourges. Le deuxième, elles sont dominées sur les 5 premières minutes, mais elles reviennent dans le match pour les exploser sur la deuxième partie du deuxième quart temps. Et sur le troisième, elles le gagnent aussi. Alors de 2 points, vous allez me dire, mais de 2 points. C'est-à-dire qu'elles sont capables de continuer à bien jouer malgré le fait que de l'autre côté, du côté de Bourges, ben, on a envie de marquer des points, de revenir dans le match. Et ben, c'est pas possible. Les contres, on va regarder un petit peu les statistiques pour vous donner un repère pour ceux qui nous rejoignent en direct. Au niveau des statistiques, aucune Berruyère n'a passé les 10 points, même aucune Berruyère n'a dépassé les 8. Meilleure marqueuse du match pour Bourges, Sarah Michel, 8 petits points, 7 pour Anna Maria Philippe, le reste Caracol derrière avec 6 points pour Astier, 5 pour Collet et Duchet à 6, 5 pour Steinberger. De l'autre côté pour les Tarbaises, Carla Leit qui brille avec Dominique Malonga, les 2 étoiles, 17 points, 16 points pour Leit. Leit qui également a distribué 6 passes, Fred, et 3 interceptions. C'est bien simple, les deux joueuses sont à plus de 18 d'évaluation. Oui, bon, elle a fait un petit stat, hein, pour l'instant, un petit peu au-dessus, parce qu'on écoute à la fin du troisième quart-temps, mais c'est les stats finales pour elle. Elle a 7 points, 5,5 passes. C'est quand même une joueuse qui est très complète, on parle de Carla Leit. Dominique Malonga qui devrait rester à l'issue de la saison à Tarbes, vous le savez, elle a été prêtée par l'ASVEL. Elle qui devrait être le visage du nouveau projet la saison prochaine du TGB après le départ de Carla Leit. Leit. Okora. Pok. Il y a une situation à négocier pour Droguet qui s'écarte à 3 points. Bonne chute à 3 points. Elle a failli le mettre. Regardez qui se bat. Qui est-ce qui va chercher le ballon encore une fois? La pression. Ok, c'est une bonne faute. Tu leur mets la pression. La faute contre Camille Droguet. Oui, bien sûr, mais son activité est importante. Ça permet de ne pas relancer la contre-attaque et surtout de dire eh, chez nous, c'est dur. Première faute donnée après 20 secondes de jeu dans ce quatrième carton décisif. Duchet. Alix Duchet pour Collet. Collet dans le dos. Oh, c'est bien vu, mais la passe n'est pas bien réalisée. Elles ne sont pas comprises. En tous les cas, avec Anna Maria Philippe. Elle était bien placée pourtant, hein, à l'intérieur de Bourges. Droguet. Leit. Leit qui est passé sur la droite. Il y avait une idée avec Bob finalement. La faute sur le tir, Fred, de lancer obtenu. Patience, ça amène le ballon à l'intérieur, ça provoque des fautes, c'est serein, c'est calme. Il n'y a pas grand chose à redire sur la prestation collective là. Même si je trouve qu'elle est un poil sévère cette faute quand même. En tous les cas, au ralenti, elle ne paraissait pas si évident que ça. Olivier Lafargue, bras croisés, le meilleur coach de l'année 2022, champion 2022 avec cette équipe de Bourges, qui doit se poser des questions, qui doit cogiter et penser déjà sans doute à ce match retour, cette demi-finale qui aura lieu au Prado la semaine prochaine en tout début de semaine. Ce sera toujours un quart de finale. Match retour du quart de finale. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette demi-finale. J'ai dit demi-finale. Oui. Évidemment, un quart. Et je suis désolé de vous contredire encore une fois, je pense qu'ils pensent que à bien finir ce match justement pour qu'il y ait le moins d'écart possible. Pour pouvoir remonter ça. Allez, 20 points d'écart.
pour l'instant, le score n'est pas encore officiel. Et si on en restait là, même au Prado, ça serait compliqué. Et que trois équipes soient capables de remonter 20 points. Basketland, Villeneuve-d'Ascq et Bourges. Donc à voir si elles sont capables de le faire. Ça sera peut-être point aussi. Bien sûr, bien sûr. Pauline Astier qui y croit. Elle s'accroche à tout ce qu'elle peut. Un tir difficile, hein. C'est pas les tirs qu'elle prend d'habitude. Camille Droguet pour Zodia. Droguet qui lui remet. Ça joue ouais, collectivement. Ça défend mieux là. Ça va revenir pour Poc. Et Poc, si elle met ça, catch and shoot. C'est une machine, Poc. Eh, c'est plus Poc, c'est Spock. C'est Captain. Incroyable tir de Poc. La révélation, là, arrivée en toute fin de saison pour remplacer Isabelle Yakubu, je vous le disais. Internationale estonienne qui a du ballon, qui a un bagage. Kayla Alexander, la faute à l'écomis sur le rebond. Kayla Alexander, elle fait quand même bien meilleure deuxième mi-temps, hein, dans la présence, dans l'intensité près du cercle. On a envie de dire si seulement pour les tangos elle avait pu commencer de cette façon-là. Oui, mais le match. Et vous savez ce que j'ai envie de dire? Oui, mais j'ai envie de dire aussi si seulement elle était un peu accompagnée, parce que les intérieurs entre elle et Anna-Maria Philippe, à la fin, ben, c'est pas si mauvais que ça en fait. Ça, Michel Bourri pour jouer au large. Spano. Le bon. Le calage, elle n'a pas osé le prendre. Elle n'a pas osé le prendre, Sarah Michel Bourri. Elle prend un tir encore plus dur. Mais là, ce shoot. Oh, le tempérament de la capitaine des tangos. De retour dans les playoffs. Elle qui ne les avait pas joués l'an dernier. Zodia, dos au jeu. C'est un bon joueur de ballon où il faut. C'est la quatrième. Quatrième. De Kyle Alexander. Et oui. La prochaine, et c'est terminé pour Kayla Alexander. Elle se parle entre elles. Sarah Michel Bourri qui donne les ordres. Elle y est, cette faute, Fred. Duel de Big moi, Girls. C'est la deuxième fois que je ne vois pas une faute énorme, hein, quand même. Elle sort le choix Steinberga. Ça joue small ball pour courir plus, certainement. Zodia qui regarde le cercle. Finalement, elle temporise. 45 degrés, Carla Lake qui part. 6 secondes. C'est joué, ça. Interception de Pauline Astier. La faute sur contre-attaque. Rien de facile. On réclame du côté de Spano une anti-sportive. Spano, elle demande toujours une anti-sportive. Vous ne pouvez pas penser à quelqu'un. C'est les Grecs, ça. Angelo, il fait pareil. On embrasse Angelo. On embrasse Angelo de Sagarakis que vous retrouverez avec Lucien. Au commentaire. Bien amené. Jolie passe. Il faut finir. Elle le fait. Elle exécute. Alix Duchet. Le score qui est en train peut-être d'être plus abordable pour Bourges. Et peut-être encore mieux derrière. Elles font des erreurs. Les Tarbes dans la fin de match. Carla Lane qui lève les bras après avoir perdu un petit peu d'intention défensive. 7 minutes pour finir. Pour mieux finir peut-être pour Bourges. Pauline Astier, il va rester peu de temps. 5 secondes, voilà, Spanou. La prise de position de Spanou, la bonne passe. La prise à deux, la faute, l'accrochage. Une faute simple, sifflée par les arbitres. On se rapproche bientôt de la pénalité. Vous avez vu hein, le coaching d'Olivier Lafargue. Ça joue small ball sur les lignes extérieures avec deux meneuses de jeu et Sarah-Michel Bourri. Et à l'intérieur, il n'y a plus de grande, comme tout à l'heure. Il n'y a pas d'Anna-Maria Philippe. Il n'y a pas de Kayla Alexander. Ça veut jouer plus petit, ça veut mettre plus d'intensité, ça veut pouvoir courir. Voici Artemis Panou qu'on aura beaucoup, qu'on aura trop peu vu, j'avais envie de dire sur cette partie. Spano, c'était seulement 2 points en 19 minutes de jeu. Cette expérience-là, elle doit apporter plus dans un match aussi difficile. Spano, 2 sur 2, ça fait du bien. Serena Kester qui rentre sur le terrain. Poc qui a fait une bonne entrée qui va se reposer un peu, Zodia aussi. Et Maouga bien sûr qui revient sur le terrain aussi hein, obligatoirement. C'est maintenant que ça va se jouer. Light, encore une perte de balles, c'était tout proche. Et justement pour lutter contre ce small ball entre guillemets, on fait rentrer Maouga pour appuyer où ça fait mal. Effectivement. Dans la toute fin de match, on voit Alix Duchet et Pauline Astier communiquer. 68 à 53.
7 minutes encore à jouer dans ce match. Kessler. Passe sur Malonga. Avantage de taille, mais elle a bien fermé la porte. Steinberger. Astier qui jette Lenoine accordé le 2+1. Il y a un gros temps fort là pour les Berruyères en ce moment. Qu'est-ce qu'elle est forte sur les finitions comme ça. Le toucher, ce mouvement là, il est incroyable. Improbable. Le bisou sur le plexi avec cette balle qui tournoie jusqu'au cercle. Sauf que d'une autre joueuse, on pourrait dire ouais, c'est de la chance. Pas avec Chloé Astier. Et oui, elle connaît par cœur ce terrain. Elle qui venait toute petite ici voir les matchs. Voir les matchs notamment de son idole Céline Dumerc avec Bourges à l'époque. Comme aussi au contact Droguet, elle en a déjà mis plusieurs. Oui, mais elle va aller au bout. La bonne mixture de Droguet. Ouais, il y a des intensités de 3-3 là chez cette joueuse. Ça tombe bien, elle est championne de France 3-3. J'aime beaucoup cette joueuse. En sac ça. Astier. Michel Bourri qui a hésité à prendre ce tir. Ça défend bien. Elle veut lui imiter. Pauline Astier. Serena Kessler, vraiment, ça met beaucoup de pression aussi. Malonga qui remonte le ballon, c'est conservé. Une possession longue qui va pouvoir s'engager avec Droguet. Interception de nouveau. Elle n'arrive plus vraiment. C'est difficile, ça commence à peser aussi. Hein. Ils ont beaucoup joué. J'ai envie de dire mauvaise passe, oui. Et en plus, elle fait la faute dans la foulée, Spanou. Ouais, Spanou qui était en retard. Plus 15 pour l'instant. Franchement, c'est très bien vu. Elle est un petit peu trop forte, la passe. Ouais, l'idée était bonne. C'est ça, exactement. Et le tambour est demandé, Fred. Vous savez pourquoi ? François Gomez, il veut marquer sur cette action. Et il va mettre un petit système en place tranquillement pour que ça finisse par un panier. Le voici, François Gomez, à l'image. Nouvelle saison à Tarbes pour l'indéboulonnable, lui qui avait retrouvé Isabelle Yacoubou en tant que joueuse et qui va lui apprendre un petit peu le métier la saison prochaine. Ils ont remporté tous les deux ensemble un titre ici à Tarbes, un titre de champion de France en 2010, deux fois meilleur entraîneur en 2009 et en 2018 avec Tarbes. Un coach formateur, il en a vu passer des jeunes joueuses, Carla Ley, Dominique Malonga, mais on peut citer Marie Potoux, Marie Pardon dernièrement. Oui, lui, la pression est de la boîte. C'est le moins qu'on puisse dire, on peut dire la vérité. Il nous a envoyé un texto avant le match parce qu'il nous avait regardé. Donc pour dire à quel point. Il regardait Sport en France avant le match. Dans son canapé, on imagine, à la maison. Et puis il est arrivé. Tranquillement. Il y a un match ce soir. On doit défoncer qui ? Droguet. Malonga, elle aime le main à main avec Kessler. Ça cherche justement ce fameux système. Et à l'arrivée, c'est pour Carla Leite derrière l'écran. Ouais, ça a travaillé pour arriver sur ce pick and roll. Finalement, c'est. Et la passe est. La passe est presque arrivée. Ouais, pas loin. Pas loin du tout. Peut-être un peu long ce système pour finalement pas grand chose. Il n'y a pas eu d'attaque vers le cercle. Ouais, surtout que Luc Duchet trouve la cible. Oh là là, le retour dans le meilleur des moments pour les Berruyères. Plus que 12 points de retard. Et François Gomez, vous avez vu, il a dit il faut switcher sur ça, il faut switcher. Ouais, et elles sont en train de balbutier leur basket dans la fin de match. 12 points de retard et maintenant 10. Oh Bourges, quelle fin de match. Là, il y aura peut-être des regrets pour le TGB. Ouais, exactement, dommage de gaspiller des munitions maintenant là. Carla Ley qui s'applique sur le layup inversé. Elle fait absolument ce qu'elle veut. Quelle joueuse fantastique. Meilleure meneuse de la saison. Dans le 5 majeur. Et encore une fois, elle est chopée hein, par Malonga. Je pense que c'est un contre. Bon, en tous les cas, elle l'a bien contesté.
potentiellement le quatrième compte du match, mais en attendant, ça rate les paniers. Par contre, là aussi, ça peut avoir des regrets du côté de Bourges. Ouais, par deux fois là. Bourges aurait dû marquer. Il n'en sera rien. Plus 12. À chaque fois que Bourges est revenu, Tarbonaro a attaqué encore une fois. Fopossi, c'est un bon match dans la lecture à chaque fois. Puissance physique. Là, vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, la coupe de Malonga a attiré Spano avec elle, ce qui a ouvert la pénétration de l'autre côté de Fopossi. C'est franc. Le sang froid dans les veines de Fopossi. Astier. Astier, ça c'est un beau ballon pour Sarah Michel. Oh, très court. Oh, elle l'a pris. C'était un catch and shoot trop rapide. C'est pas son jeu de faire des catch and shoot comme ça. On n'arrête pas ton dribble. Late, qui est parti de très loin pour attaquer directement. Une scoreuse. Non mais surtout cette lecture, totale. Elle a vu que c'était Spanou qui était en retard un petit peu, qui était trop loin d'elle. Elle l'attaque en vitesse. Hein. Ouais, un peu trop véhément d'ailleurs, sa demande. Malonga qui était en défense et qui est battu. Bien joué de la part de Kayla Alexander. Cette fin de match elle est importante, hein. Faut pas se relâcher des deux côtés. Chaque point compte. Chaque point compte pour aller en demi-finale. Oh, on le rappelle. Malonga, la Dominique vitesse. Malonga. La vitesse de Malonga est la cinquième de Kayla Alexander. Est-ce que c'est la cinquième, c'est Fred? Bah, si, après 4, logiquement, je dirais que c'est ça. Ça y est, c'est la cinquième, effectivement. J'ai eu le doute, hein, parce qu'on n'est pas dans la salle, vous l'aurez compris. Jusqu'au en bout. En fait, le problème, c'est que vous ne me faites pas confiance. Je vous fais confiance, non, Fred, mais j'ai besoin d'avoir la preuve. Je vous fais confiance, mais avec la preuve, c'est mieux, c'est ça. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Lucas, vraiment. On depuis le temps qu'on se connaît. Malonga au lancer, on l'a dit, hein. Chaque point compte à partir de maintenant. On fera le point à l'issue de ces 40 minutes et il y aura un vainqueur dans le deuxième match. Mais peu importe le vainqueur, on a envie de dire, dans cette deuxième rencontre au Prado, il faudra mettre des points, beaucoup de points des deux côtés. De toute façon, dans 3 minutes, on sera à la mi-temps de cette confrontation. On verra si cette équipe de Bourges est capable de revenir. Elle a glissé Pauline Astier. Ouais. Ce ballon n'est pas perdu pour autant. Spano qui a une chance de peut-être mettre quelque chose en place. C'était magnifique la lecture. La patience, la lecture, tout le monde se propose. Sarah Michel Bourri qui trouve encore la bonne passe. Kessler. Malonga. Malonga devant Anna Maria Philippe. Elle fait des dégâts. Des dégâts de Malonga. Terrible. L'enfant terrible, Malonga, qui vient éjecter clairement Anna Maria Philippe sur cette action. Elle recule pas sur le contact, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle continue à avancer, elle met bien son épaule, elle continue en plus à s'appliquer sur le shoot pour avoir le N1. Dominique Malonga au lancer pour faire panier avec la faute, c'est raté. C'est dommage ce genre d'action. Le jeu en empêchant Sarah Michel Bourri de recevoir le ballon. Ça aussi, c'est bien entendu l'aide de Kessler. Le rebond et la transition pour le TGB qui peut être offerte pour Marie-Paul Fopossi. Le N1, elle aussi. Ouais, toutes les joueuses de Bourges n'en reviennent pas. Elles s'attrapent toute la tête là en ce moment. Elle s'arrache les cheveux, hein. C'est le cas de le dire. Oui, mais alors je suis désolé. Alors, peut-être qu'il n'y a pas faute sur cette action. Ok. Donc à un moment, tu viens sur le terrain, tu mets pas un panier, tu défends pas, tu fais un carton aussi catastrophique, tu fermes ta bouche et tu travailles. 79-64, c'est dur. Très dur pour Bourges. Cette fin de match qui finalement.
80-84. 17 points. 17 points d'écart. C'est énorme. Il peut y en avoir 18 avec le lancer franc à suivre. Ouais, parce que Bourges dans le troisième carton a réalisé quand même 20 points. Mais Tarbes en a mis 22 en fait. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles ont été capables de trouver des solutions à chaque fois, de revenir, de ne pas perdre un carton trop court en fait. Oui, le deuxième carton, elles sont dominées pendant 5 minutes. Elles mettent un point, je crois. Donc sur la deuxième partie du deuxième carton, là, c'est magnifique ce qu'elles proposent. Effectivement, Fred, au total des 4 cartons, elles ont remporté le premier 26 à 8. Elles ont perdu le deuxième d'un point, 16-17. Elles sont en train de perdre le quatrième de 2 petits points, 17-19. Et elles ont gagné le troisième de 2 points. Donc elles sont à chaque fois dans le coup, sauf que bah, pour l'instant, Bourges est en train de payer son premier carton catastrophique. Ah, ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas un quart de finale de play-off. Les upsets existent dans le basket, aussi bien masculin que féminin. Bourges doit s'en méfier absolument pour le match retour. Ça semble perdu là, Fred, en 2 minutes. Alors honnêtement, ce match est perdu, mais on l'a dit, c'est pas très important parce que ce n'est qu'une mi-temps. Il reste 40 minutes pour revenir au score. Franchement, 40 minutes, c'est largement faisable. Mais pour l'instant, elle marque des vrais points dans tous les sens du terme, les Tarbes. Fopossi de plus 1. De plus 1 pour Fopossi. 82-64. 2 minutes à jouer. Astier qui contourne Droguet, c'est passé. Défense une nouvelle fois. Kessler à la remontée de balle. Il y avait Fopossi dans la raquette. Finalement, c'est un tir tenté. Je ne sais pas pourquoi elle le prend si vite par contre. Il y avait le temps largement. Une faute donnée. C'est la Kessler qui. Je crois que c'est elle qui joue. D'ailleurs. Bah, je crois qu'il lui reproche justement. Hein. François Gomez en lui disant pourquoi tu prends ce shoot aussi vite, ça sert à rien. On a le temps, on est sur la transition. On a 18 points d'avance. Travaillons. Des lancers à suivre. Discussion entre les trois arbitres, les officiels de cette partie. Lancé à suivre. Que se passe-t-il? Je crois qu'ils sont les deux. Technique s'est fait contre peut-être le banc de Bourges, Fred. Hein. Oui, je pense. Ouais. Parce que là, on va se diriger sur un lancé pour Carla Leit. Il a dû se passer quelque chose sur le banc. Une erreur, ça aussi, c'est un point donné bêtement. Ouais, chaque point va compter, chaque petit point va compter, chaque lancer franc, il va falloir faire des calculs terribles. Elle est à combien, Pauline Astier, au lancer franc? Je suis pas sûr que ce soit de. On va lever le premier en tous les cas. Pauline Astier, avant celui-là, c'était 1 sur 5, elle est à 2 sur 6, Fred. Elle est à 3 sur 7. Alors, mais deux qui peuvent être importants hein, par rapport au deuxième match. Il y a 17 points d'avance toujours. Dynastie désormais à 12 points. La deuxième meilleure marqueuse de son équipe. Faut aussi le catch and shoot. Si elle le met, c'est terrible pour les Berruyères. 83-66, on en reste là pour l'instant. Bourges a peut-être encore un ou deux assauts intéressants à mener. La faute, elle est contre qui? Elle est faute défensive. Apparemment, Steinberger qui la provoque. On va voir. Elle bouge. Oui, il n'y a rien à dire. Droguet bouge. Regardez, on voit ses appuis. Oui, ça bouge au niveau du pied droit. Par contre, elle n'a pas peur d'aller donner son corps. Hein. Parce que prendre une Steinberger comme ça à pleine vitesse, waouh, moi j'y vais pas. Moi non plus. Et elle sort sous les applaudissements et les salutations du public. Très joli pompon. Ça vous plaît pas ce petit, cette petite cascade là? Si, puis il est en train de sombrer ou quoi? Ouais. Ah, il s'appelle Pompon en plus. Non mais vraiment. Oui, il fait le chaud là le pompon. Hein. Il fait vraiment le chaud. Regardez Fred. Il fait vraiment le chaud, c'est un personnage. Si ça passe, si on va en demi-finale, je mets le pompon. C'est entendu, c'est enregistré. On est d'accord avec la réalisation.
on capture ce moment. Steinberger au lancer. 1 sur 2. Et pour le rebond de Malonga. Non, non, ne dribble pas, bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas dribbler. Ce qui est intéressant hein, pour le match retour. Parce que ça, justement, ça reviendra le suspense. Match quand même historique pour sa jeune carrière. Fred, on en est encore loin, mais on a cessé de le répéter. Là, on est à 20 points et 17 rebonds. On entend ou pas? C'est pas mal. Est-ce que vous reconnaissez la musique, Lucas? Ah bah ça, c'est des musiques du chinois. Oui, d'accord, ça ne veut rien dire. C'est quoi? C'est la pitchouri. Pichouri, le rendez-vous de tous les basques du pays. Incroyable. Là, je vous m'étonnerai toujours. Ouais. J'ai une culture de des choses qui ne servent à rien. Incroyable. Anna Maria Philippe, précieuse dans cette rencontre, même si elle manque un lancer encore important. Précieuse dans la partie, mais c'est symbolique peut-être d'un souci mental dans cette rencontre. Hein. 18e, non. Non, ballon rendu à Bourges. Imaginez, Bourges met là, ils sont plus qu'à 13 et on va au Prado. Le match est plus, sera beaucoup plus équilibré. Hein. Exactement. Dernière minute, on y est. Et le public qui est bientôt debout. Hein. Le retour de Pompon. Ah oui, il est en train de faire son retour sur le parquet. Pompon, la star de cette fin de soirée. Regardez. Il passe un grand écart, hein, j'ai envie de dire. Et la fête sera complète. Ah, il s'est fait des amis, Pompon. Bastier. Alex Duchet. Le catch and shoot. Bon, il aurait pu être très joli celui-ci. Marie-Paul Fopossi qui s'accroche au ballon. Le rebond de Fopossi. Ils ont joué avec la limite à les verrouillères pour faire faute finalement. Est-ce que c'est une bonne faute, Fred, sachant que ça doit être de lancer? Ils veulent être maîtres de leur destin, c'est-à-dire mettre beaucoup de pression, essayer de récupérer des ballons. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Hein. Sauf qu'effectivement, quand ça donne de lancer, tu peux dire que c'est une mauvaise faute, mais si elle rate les deux lancers, c'est une magnifique faute. Donc ça se tente. Marie-Paul Fopossi sur la ligne. Aussi sur la ligne des lancers francs, pour l'instant c'est un parfait 5 sur 5, 6 sur 6. En même temps, vu sa mécanique, vu son côté, je suis pas sûr qu'elle rate beaucoup de lancers francs. On saluera aussi le 10 sur 11 de Carla Leite sur la ligne. 2 sur 2 ici pour Marie-Paul Fopossi. Quelle prestation! Écoutez bien, Fred, c'est simple. 3 joueuses ont passé la barre des 20 points à Tarbes. Quelle prestation collective! Et quelle fulgurance de la part de Fopossi, Leit et Malonga. C'est un match à cocher pour ces trois joueuses. C'est un match historique pour le TGB. Rappelez-vous, hein, sur le premier carton, il y avait trois scoreuses hein, du côté de Tarbes, forcément. Ah, mais là, à 61, la fin, elles sont encore là. 61 ouais. Points des 83 points de Tarbes ont été mis par trois joueuses. Donc Bourges Basket contre trois joueuses de Tarbes, c'est 67-61. Exactement. C'est rarissime hein, en LNB. Hein. Évidemment que c'est rarissime. C'est pour ça que je souligne et que je le répète. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des joueuses autour qui ont aussi apporté quand il le fallait, quand ça a été plus dur. Pock par exemple, bien sûr. Brogué qui était bien aussi. Kessler que j'ai trouvé pas mal. Zotiak. Aussi. Non, je crois. J'ai l'impression quand même que c'est une équipe. Alors oui, il y a trois joueuses qui ont brillé plus que les autres. Mais c'est une équipe qui a brillé. Quelle partie elles sont en train d'offrir à leurs supporters. Elles qui n'ont pas réussi à battre cette équipe de Bourges cette saison, dominées sur les deux rencontres. Elles avaient été battues 75-60 à l'aller au Prado, battues 75-82 au retour ici même il y a quelques semaines. Elles sont en train de réaliser un petit exploit. Elles vont s'imposer dans quelques secondes.
Berger. Berger qui fait le tour du monde, c'est obligé. Pour réduire l'écart, il était important ce tir. Ouais, c'était important. Encore une fois, on s'appuie sur Anna Maria Philippe. 85-69, Kester qui regarde le cercle, il y a Malonga qui se propose, c'est Pok qui va être servi. La meilleure marqueuse, elle est là, Carla Leit. Pok. Sur un pied, sur Pok, un bien pied sûr. Incroyable Pok. Encore temps mort, bien sûr, on travaille, il faut travailler, il y a un match retour. Quel match ? Il y a 18 points d'écart. Quel tir de Pok ! Ouais, mais en fait, on l'a vu hein, tout à l'heure, elle le mettait, ce shoot là. Ouais, cette joueuse qu'on avait vue hein, dans le championnat de France, pas si longtemps. Maëlys Pok qui avait joué un temps pour Basketland dans la saison 2018-2019. On l'avait vu aussi en Ligue Féminine 2 la saison dernière. On salue au passage le Champagne Basket au féminin. Olivier Lafargue, tactique pour mettre en place quelque chose. On les sent forcément un petit peu abasourdi, privé de Nachiche Kaïté, ça c'est important de le souligner aussi Fred. Oui, on n'aura pas vu la shooteuse lituanienne. Et justement, on a eu beaucoup de problèmes du côté de Bourges sur le shoot à 3 points. On n'a pas été capable de marquer beaucoup de shoot à 3 points. Effectivement, quand Nachiche Kaïté n'est pas sur le terrain, bah, c'est pas mal, forcément. Juste pour expliquer, je reçois des messages qui disent je suis sûr qu'on ira au match 3, etc. Il n'y aura pas de match 3. Ah oui. Les matchs aller-retour et les points de ce match-là comptent et seront additionnés aux points du match 2. Donc, c'est pas perdu pour Bourges, mais elle commence. Ce deuxième match avec moins 18. Ah, vous avez raison de l'expliquer, le redire Fred, on ne cesse de le répéter. Ce sont des matchs aller-retour. Chaque point compte, on fait le total des deux matchs. Et l'équipe qui a mis le plus de points pendant ces 80 minutes, donc ces 2 fois 40 minutes, ira en demi-finale. Et même principe en demi-finale, match aller-retour. On s'en souvient par exemple de ce match. C'était fini en match nul, hein. Ça se peut dans un match. C'était à Basketland. La saison dernière, Bourges Basketland. Le tir de Sarah Michel Bourri et c'est terminé. L'exploit réalisé par le TGB est énorme. Pendant 6 ans, elles n'auront jamais su s'imposer contre Bourges. Ça tombe au meilleur des moments pour leur grand retour en play-off. Cette équipe jeune, la plus jeune de Ligue féminine de basket, qui fait tomber peut-être l'une des équipes les plus expérimentées du championnat, les Berruyères, l'équipe la plus titrée qui tombe dans ce match d'ouverture. Il faudra être forte, très forte au Prado pour cette équipe de Bourges. Pour Tarbes, c'est une magnifique prestation qui met la pression sur l'adversaire. Vous avez vu un petit peu les attitudes du côté de Tarbes. Oui, on est content, mais c'est pas la folie. Exactement, je m'attendais à une grosse fête. Non, elles savent qu'il y a un match 2, elles savent qu'elles n'ont fait que la moitié du chemin et que ça sera difficile de s'imposer au Prado. Franchement, on a une équipe jeune qui a joué comme bluffante, comme maturité. Voilà, maturité. Avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de patience, beaucoup de. J'ai même pas les mots tellement je suis impressionné par ce qu'elles ont proposé. Bourges, attention, parce que même si on est au Prado, il y a quand même 18 points à rattraper. Et elles ont vraiment des solutions à beaucoup de postes. Donc, c'est pas gagné pour Tarbes, mais ça l'est encore moins pour Bourges. Quel est votre MVP du match, Fred ? J'ai envie de dire Malonga, mais franchement, les trois que vous avez cités tout à l'heure, pour moi, ça allait. Hein. Si vous me disiez Carla Leit, c'est plutôt pas mal du tout. C'est la même évaluation que Dominique Malonga. Elles ont une évaluation très proche. 25 pour Leit, 24 pour Fopossi et 25 Malonga. Exactement ce que je veux dire. Et Fopossi, franchement, c'était très sérieux. Les trois étaient très sérieuses. Mais si je devais mettre un MVP, c'est le collectif. Parce que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Tout le monde, quand il était sur le terrain, a apporté un plus. Et ça, c'est fantastique. Incroyable. La série de 9 victoires, toutes compétitions confondues pour Bourges s'arrête là. Bourges qui aura une semaine prochaine charnière, puisque la semaine prochaine Bourges jouera un match retour capital contre cette équipe du TGB et une finale de Coupe de France contre Basketland. Ça fait beaucoup en 7 jours, beaucoup pour se rattraper déjà d'une contre-performance en Eurocup. Clairement, il faudra vraiment redresser la tête au Prado, retravailler. Les statistiques, elles sont là et elles sont nettes à l'avantage de Tarbes. Mais regardez, hein, ce que je disais, hein, 6 sur 28 à 3 points, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de shoots pris, beaucoup d'opportunités de shoot.
quand la chiche qualité n'est pas là, la shooteuse maison, ben, c'est forcément plus compliqué parce que c'est d'autres shooteuses qui vont le prendre. Et on voit le pourcentage, 21%, c'est très très faible. Elles n'ont aussi pas été très adroites au lancer franc, voilà. Elles ont loupé plein de choses, elles ont très mal commencé le match. Elles se sont battues pour essayer de revenir, mais en face, c'était solide. Exceptionnelle performance, on revoit bien sûr les highlights. Fred, bien sûr, les playoffs ne font que commencer pour ceux qui arrivent sur Sport en France, qui débarquent un petit peu là. C'est que le début, on va vous offrir tous les matchs en intégralité commentés en clair gratuitement pour votre plus grand plaisir jusqu'au final. On sera d'ailleurs sur place à partir des demi-finales pour vous faire vivre de l'intérieur ces rencontres, pour interviewer ces joueuses et pour vous faire vivre au plus près ces matchs de play-off. Les tenants du titre s'appellent l'ASVEL, lourdement battu aujourd'hui, c'est une indication aussi. Basketland a fait le travail et qui jouera demain. Ce sera le SBVA contre Angers de notre côté. Beau match, Anna. Match de coach, match de joueuse. Il est quand même la deuxième meilleure équipe d'Europe, ça sur le terrain. Exactement. Et puis, il faudra saluer aussi le match de 19h, Fred. On parlait d'Angelo Tsagarakis et Lucien Jahan. 19h, premier rendez-vous sur Sport en France. Latte Montpellier contre Charnay. Ce match sera captivant puisque Charnay aura l'avantage du terrain. On démarrera du côté de Charnay. Et puis donc ce match à 20h50, Villeneuve-d'Ascq contre Angers. Ou plutôt Angers contre Villeneuve-d'Ascq. Excusez-moi, Charnay, Latte Montpellier. On voit le bracket qu'on vous propose. Pour l'instant, avantage 1-0 pour Tarbes. Ou plutôt, non, on n'a même pas envie de dire 1-0. Mais puisque non, c'est première mi-temps remportée par première mi-temps remportée par le premier round, on va dire. Remporté par Tarbes, le premier round remporté par l'ASVEL. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Fred, on se voit demain. On se voit demain, certainement. Et c'est pas l'ASVEL qui a remporté le match. C'est Basketland. C'est difficile. C'est la fin de soirée. Bonne nuit à toutes et à tous. Et déjà à demain pour la suite des playoffs de Ligue féminine de basket. Ciao. Bye.